Salut tout le monde, c'est Crane, on se retrouve pour une nouvelle session des aventures du Prince de Lu et Béchamel. Et oui, on a du mal à se coïncider niveau emploi du temps avec Fred, mais on a réussi ce week-end à se dégager quelques heures pour jouer à Baldur's Gate 3. Coucou Fred. Salut. Attends, tu peux refaire une intro, mais juste genre, Non, parce qu'en fait, j'ai lancé en même temps, comme ça on fait salut à tous, c'est Crane et Fred, on l'a fait un peu... Tiens, on l'a fait un petit peu genre... Genre AFK, ouais, je sais plus. Ouais, non, genre ringard, tu vois. Oui, les... genre AFK, ce qu'on avait fait, je crois. Ah ouais, c'était ça dans AFK. Je crois que c'était ça. Je suis pas sûr à 100%, mais... Je me souviens plus. Et tu veux que je fasse quoi exactement? Refais ton intro, juste tu me laisses en placer une. Salut à tous, c'est Crane. Et Fred. On se retrouve pour une nouvelle session sur Baldur's Gate 3 avec le prince de... De Lu. Et Béchamel. C'est un peu incroyable. C'est complètement ringard. Je ne sais même plus. C'était quoi ma voix? J'avais une voix spécifique. Non, c'était pas celle-là. Ah, mon cher pauvre. Attends, c'était quoi? C'était plus de droite. Il y avait un petit côté mélange Jean-Marie Le Pen et je sais pas quoi. Ah bon, Jean-Marie Le Pen, très bien. Mon cher Béchamel, n'est-ce pas? Il y avait un mélange Giscard Le Pen. Ouais, je sais pas si j'avais. Non, ça. Moi, ça devait être. Oh oui, mon prince. Oh oui. Ouais, parce que je me mélange avec, je me mélange un petit peu avec la voix du nain que j'avais sur que j'avais sur l'autre live. Non, je pense que c'était ta voix mais un peu hautaine. Ouais, c'est juste ma voix normale. Très bien, mon cher Béchamel. Allons-y. Écoutez, il y a un escalier. Nous allons descendre. Ouais, ça devait être ça, je pense que très bien. Ça. Ok. Oh oui, mon prince. Descendons l'escalier en bois. Oh, je me sens plus compétent d'un seul coup avec cet escalier. Quoi? Bah, plus compétent. XP. Ah merde. Donc, pour rappel, nous étions en train de poursuivre une espèce de schtroumpf vert. Une sorcière, oui, qui vit dans les marais. C'est ça, bien sûr. Elle avait probablement des loots. Oh mon dieu, regardez! Il y a une tête de magronne! Qu'est-ce donc? Je ne sais pas. Ah, perdu la tête. Ah, mais elle est morte? Ah bah sans tête, mon prince, c'est compliqué. Je ne sais pas, c'est un monde féerique, après tout. Regardez, il y a un chaudron déformé. Ah, il y a quelqu'un qui nous appelle, je crois. Où ça? Il y a une visiblement un elfe du nom de Lorin, ici. Je vais m'approcher pour lui parler. Allez-y, mon prince. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je clique sur toi. Pour voir la conversation. You feel crushing waves of fear as the presence within the door recoils. Ah, ce casque, putain. Not again. Il faut ressentir les problèmes avec le chien et la présence à l'intérieur. Il va rentrer une peur et allez, ouvrez-vous! Its walls lined with the hag's victims, their bodies and minds twisted beyond ruin. Flee, you feel it cry. La guenaude ne me fait pas peur! Oh, vous avez peur de rien? Vous êtes tellement fort! Bien sûr! Tellement riche! Shrouded in the glow of the divine. Weapons brandished, they charge into the hag's lair. La guenaude sera le cadet de vos soucis si vous refusez de nous ouvrir! Mais je ne comprends pas, je suis visiblement bloqué par une porte invisible, mon cher Béchamel. Mais quelle est donc cette sorcellerie? Moi, je pense qu'il faut que vous insistiez, mon prince. Je vais essayer de persuader ce vide devant moi. Écoute-moi bien, vide. Laisse-moi entrer, d'accord? Ça commence bien. Ah mon dieu! Je n'ai pas réussi à persuader ce rien! Peut-être pourriez-vous l'intimider, mon prince. Remembering the hag's smile, it remains firmly closed as the presence. Nous ne pouvons pas passer par cette porte ouverte! Je vais quand même essayer! Mon dieu, j'ai réussi! Incroyable! Une porte ne peut pas vous arrêter, mon prince. Je suis vraiment inarrêtable! Qu'est-ce qu'on fait? On va lui parler, hein. Bon, bah vas-y. Je lui parle. Ah, je vais parler à l'elfe, mon prince. Non, don't look. Mustn't see. Est-ce que ça va?
I see it. What's to come? Me. Ah, c'est la godasse. Dead. Flesh rotten, bone shining. Oh, vous, ah, magnifique, okay, plan. Vous êtes un peu fatigué, mon cher Béchamel. Vous asseyez à ses pieds comme ça. Ah, je vais l'observer silencieusement. Skull splitting, knife twisting, gut spilling. All future, all bad, all. Gods, don't hurt me. Oh, please, please. Est-ce que vous pourriez arrêter de regarder les fesses du mage, mon cher Béchamel? Mais pourquoi? Pourquoi voulez-vous que je vous fasse du mal? Monster. Monster! For mind dripping, flesh peeling, mind flayer! Mon cher Béchamel, vous pourriez, c'est pas très poli quand même! Mais regardez-moi, je suis pas un flagelleur mental, pas encore! No! No! Mind flayer! Get away! Get away! C'était une conversation très intéressante, mon prince. J'ai appris beaucoup de choses. Ah, j'ai compris de quelle porte là. D'accord, c'est, il s'agissait d'un problème de caméra, mon cher Béchamel. Voilà, c'est ici, la porte corrompue, voilà. Ah. Vous voulez que je tente de l'ouvrir? Je vais essayer d'intimider la porte. Vous allez pas vous laisser faire par une porte, mon prince. Ouvre-moi la porte. Oi, oi, oi. Ah, je n'ai pas réussi à intimider cette porte. Peut-être voulez-vous essayer d'intimider la porte, mon cher Béchamel. Je peux essayer sinon de l'accrocher, peut-être. Attends, on va faire des petites sauvegardes de temps en temps. J'ai l'option de crocheter, je vais tester. Oh, j'ai réussi, mon prince. Oh, incroyable. La porte est ouverte. Vous êtes donc parfois utile. Vous me blessez énormément, mon prince. Ah, mon cher Béchamel, je vois que vous n'arrêtez pas de vous téléporter. Est-ce qu'on a d'autres choses à faire ici? Écoutez, je vais essayer un tour magique. Oui, ça marche. La porte est visiblement une entité. Écoutez, mon cher Béchamel, il y a une tactique magique ancestrale qui vous permet de traverser cette porte si vous le souhaitez. Je vais tester cette technique. Voilà, bravo! Ah, elle a réussi, oh, magnifique! Quelle technique incroyable! Vraiment, c'est une technique que nous transmettons de génération en génération. Ah, il n'y a bien que vous qui auriez pu trouver ça, mon prince. Ah, il y a des ennemis ici, mon cher Béchamel. Soyez sur vos gardes. Ils sont quel level, mon prince? Nous allons voir ça dans quelques secondes. Eh bah, très bien. Est-ce que quelqu'un sait ce que faisait finesse sur les dagues? Parce que j'ai perdu finesse avec les fossiles. J'ai rien d'info dans les chats. Ok, donc le mage est déjà presque mort. Début de combat classique en somme. Allez. Il est pas. Ah, si, voilà. Ça y est, il est mort. C'est fait. Très bien. Voilà. Le jeu peut commencer. Bienvenue sur Baldur's Gate 3. On va laisser le clerc s'en occuper. Alors, où est-ce que je peux aller? Il y a des ennemis au sol ou ils sont tous en hauteur là? J'en vois deux, un à gauche, un à droite. Je vais foncer sur. Je vais aller sur ceux qui sont devant moi, d'accord? Okay, attends, parce qu'on a quoi? On a un archer. On a un. Ça a l'air d'être un druide à gauche. On a un mec une femme en tissu, trois devant, ça doit être une mage, et en face un guerrier. Je vais foncer vers la mage, d'accord? Vers le. Celle qui a 18 points de vie? Attends. Ouais. Ok, donc il va falloir monter. On va faire ça. Vas-y, je vais t'en. Oh, 25% pour toucher. Ah ouais, on est bien. On est très très bien. Non, c'est là, pas ça. On est à 36%, et là on est à. 64%, bah, je vais quand même frapper la mage parce que c'est la seule que je peux toucher à l'arc. Moi j'essaye de trouver. Attends, comment on... Ok. Force d'activité. Ah, non, on court au poids. Merde, je l'ai cramé tout à l'heure. Yabogabi. Non. Je vais essayer. Est-ce que j'ai une attaque à distance possible? Peut-être, ouais. Moi aussi. Ok, est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire? Non, fin du tour pour moi.
Je vais peut-être m'occuper du guerrier en fait. Ouais, je pense que ça peut être bien. Je vais aller raise le mage. Nul doute qu'il sera surtout, utile dans ce combat. Surtout qu'on n'a apparemment aucun heal de disponible. Je vais le mettre devant lui comme ça. Fin du tour. Voilà, là le mage il va probablement remourir. Voilà, allez, parfait. Parfait. C'est paf le chien. On abîme le mage. On a fait comme ça. Ah, et on a pris 8 torches. Ah! Ah, très bien! Oh, mon prince! Au secours, ah. Je suis décédé! Ah, eh bien. Oui, je pense qu'on a oublié de se reposer avant parce qu'on a plus de spell. Ouais, c'est vrai, effectivement. On peut mettre ça sur le fait qu'on n'a pas joué depuis une semaine, donc on s'en souvenait pas. Bien sûr, ça bien compte sûr. Pas. Je recharge? Je fais quoi? Non, regarde. Moi, ah, j'ai c'est fait vrai un que jeu toi, t'es potentiellement immortel. Moi, je suis immortel, je rappelle, bien sûr. C'est moi le personnage principal, quand même. Alors. Sa tête. Oh, les musiques, elles sont tellement ouf. Vas-y, remontez le mage. Histoire qu'il puisse remourir une fois. Il faudrait qu'il se mette à l'abri. Voilà. Ah, il est pas mort. Ah, ils visent la prêtresse. La prêtresse a un coup de la mort. Ah, ça y est. Elle a zéro respect, elle lui a juste lancé un vieux caillou sur la gueule, quoi, hommage. J'en passe. Mais toi aussi, t'as la musique trop classe, là. Ouais, elle est bien. Je sais pas si c'est la même qu'on parle, mais... C'est celle qui fait Yabo Gabi. Ouais, c'est celle-là, ouais. Ah, moi, je kiffe. Hein. Ah, c'est à moi. Alors, attends. Donc, est-ce qu'ils ont corrigé le bug? Est-ce que tu peux prendre des dégâts maintenant? Je pense que c'était pas, non, un bug, c'est juste que je suis super balèze, hein, c'est tout. T'es à qui là? Je vais alterner les rêves. Ouais. Vas-y. Comme ça, Béchamel va mourir dans 2 secondes. Je vais prendre une popo sur la prêtresse. Là. Retour. Comme ça, elle meurt pas. Raté, nice. Et paf! Ah, ok. Bah, y'a plus que toi en vie. Amuse-toi bien. Allez. C'est parti, hein. Tu as 1 point de vie. Allez, je le fais, j'y arrive. On y croit. Prends une rendez-vous. Rendez-vous. Je pense que tu devrais leur dire qu'ils ont aucune chance et qu'ils se rendent, ouais. Je pense que c'est une bonne... Un jet d'intimidation. Regarde, je passe mon tour parce que j'en ai rien à foutre. Bon, allez. Chargeons une partie. Allez, on va charger, hein. Et on va se préparer avant. On va faire un petit dodo. Ouais. Ah merde, ça veut dire qu'il faut relancer le... Ah putain, il faut que je repasse sur l'autre écran. Chier. Non, c'est bon. Comment ça? Bah parce que ça m'a kick, moi je suis au menu principal du coup. Oh mince, ça te kick à chaque fois qu'on recharge une partie. Bah c'était un game over donc. Ah ouais, c'est chiant ça. Vous n'avez pas réussi à rejoindre, il n'y a pas de personnage contrôlable. Ah, il faut que tu relances en fait. Ok, là j'ai les 4 persos et là t'as pas moyen de rejoindre avec le même code tout ça, faut que je refasse. Alors, il y a peut-être moyen qu'il faille que je rejoigne avec un. Non, ça va, ça charge. Ça charge, ok, bon, ça va. C'est normal, en fait, c'est normal que ça drop les gens. En fait, c'est l'écran titre qui fait dropper. C'est vraiment ça. C'est juste qu'en fait, j'ai beau diminuer le truc et l'avoir mis en 1920 par 1080, j'ai l'impression que l'écran titre est toujours considéré comme un machin en 4K, en fait. Est-ce que... Donc, c'est cette porte hein, qu'on avait... Il y a 4 masques murmurants juste là. Tu crois que si on met les masques, ils nous attaquent pas en pensant qu'on est avec eux? Ah, voyons. Ah, c'est... Bah, il y en a 4, pile le nombre du groupe. Je pense pas que ça marche, mais bon... Du gameplay, hein. On va voir ça. Attends, je vais les donner aux autres. Normalement, j'en ai pris 3. Un ici. Toi, t'as le tien. Et un ici. Il est où, le mien?
Alors, attends, ça s'équipe. Ouf. Ah oui, c'est bon, je l'ai. C'est à la place du casque. Hein. Ah, c'est exactement ça. Ah, c'était peut-être un objet maudit, en fait. J'entends une voix de Basic Helper Item. C'était peut-être pas la... Ouais, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde, en fait, de mettre un objet étrange dans... Ah, mais c'était... Fallait tester. Mon cher Benjamin, je suis pris d'une irrésistible envie de vous trancher la gorge. Oh non, mon prince. Ne me faites pas de mal, qui va porter vos affaires? Mais qu'est-ce qui se passe? On est en combat, mais combat contre qui? Ah, on est en combat... D'accord. Ah, je crois que c'était une fort mauvaise idée. Et on peut faire quelque chose? Parce que moi, je peux rien faire. Hein. Ah, s'il y a elle... C'est donc ce fameux épisode de toutes les séries où l'équipe s'affronte. Qu'est-ce un peu qu'on doit Sonic faire versus Knuckles, Vegeta contre Sangoku. J'ai aucune idée de ce qu'on doit faire. Bah rien en fait, là on peut rien faire. En fait. Là on est tous sous contrôle, là il y a plus qu'à recharger. Je suis juste un peu curieux de voir qui gagne en fait. Ah, j'ai passé. Oh là là! Personne me touche. C'est le mage qui va mourir en premier encore. Bah voilà. Aïe aïe aïe. Votre groupe a été vaincu, pourtant on est vivants tous les deux encore. Ouais ouais, on est encore vivants, ouais, mais c'est peut-être parce qu'on est hypnotisés. Bon, donc, c'était pas allez, une bonne vas-y. Idée. On recharge. Mais c'était une idée intéressante. Commence bien. Allez, Crane et Fred, vous êtes capables de les battre. Oui, alors là, ils sont level 4, hein. Ça va être compliqué. Level 4, si on est bien reposé, si on strate un petit peu. Ouais, ouais, non, doit y avoir moyen. Non, mais je pense, en vrai, déjà, attends. En vrai, le mage, on va lui foutre armure de mage, on va buff le mage. Oui. On va mettre direct, on va lancer un brouillard en haut. Vas-y, fais un petit repos, là. Pas un repos court, hein. Il faut un repos long, non? Je sais pas. Non, un repos court, ça suffit, je pense. T'es sûr? Ouais, je pense, ouais. Non, repos court, tu récupères pas tes sorts, hein. Quelqu'un peut confirmer si repos court non, mais après, ça va, le mage, il a tous ses sorts. Le mage, il a non, mais j'ai sorts, zéro t'inquiète. Sort de heal. J'ai zéro heal. Franchement, en vrai, fais-moi confiance. D'accord. T'inquiète, regarde. On va faire okay. Ça. On va avancer, regarde, t'inquiète. Mais non, me parle pas à la porte. Oh là là, parle à la porte. On a mode, ouais, la porte vous empêche de passer et dans la même cinématique, t'es en train de la traverser. Bouclier de la foi. Alors, protection contre les armes, image miroir. Voilà. Hop. Tu me dis qu'en faire une quick save avant de lancer le combat. Vas-y, tu peux lancer la quick save. Non, attends. Attends juste que je sois placé moi aussi. Est-ce que tu veux pas. Ouais, bon, vas-y. Quick save. Ouais, non, vas-y. C'est bon. Voilà, vas-y. Donc c'est moi qui joue en premier, mais ça m'arrange pas forcément. Parce que je peux pas passer. Parce que t'es devant. je peux sauter. Sauter ici. Il faut juste que le mage y tienne en vie ce tour. C'est tout. Ok. Est-ce que je veux avancer? Est-ce que je pars solo loin ou pas? Ou j'attends là pour le moment? En vrai, fonce sur la magicienne tout au fond là-bas. Accélération, tu fonces dessus. J'essaye. Ah bah, c'est la petite accélération d'un attends, petit pied. Attends, j'ai pas fini. Voilà. C'est déjà pas mal. Ah, ouais, en ouais. Un tour. Déjà ça va. J'ai tellement mourir. Voilà, lui il va monter là, ça va. Ah, il a terrorisé la prêtresse. Ah donc concentration. Ah, il lui a mis 18. À la prêtresse, mais elle est où la prêtresse? Bah elle est à la vache, c'est mal.
Voilà, elle est morte. Parfait, donc c'est, ça, plus de heal. C'est comme prévu. Pour l'instant, tout se déroule comme prévu. On se rappelle du fais-moi confiance de Fred. Fais-moi confiance. Oh, il a fait un échec critique. Voilà. Maintenant, regarde, je vais faire. J'ai tout prévu. J'ai tout prévu. Là, je vais faire mobilisation sur le mage. Paf, je lui ajoute 10 PV de plus. Parfait. Maintenant, je vais. Là, il y avait une échelle là, je crois. Ouais. L'échelle, elle est là. Voilà, je traverse ça, on s'en fout. Accélération. Moi, je suis à fond avec la musique. Hein. Ok, là, je vais faire accélération ici. Et je vais m'occuper du. Je vais m'occuper des mecs, du mec qui est là. Hop, le mage, je le prends. Ok, fin de tour. Je vais faire accélération avec le mage. Et je vais le mettre à couvert. Je le mets à couvert derrière, comme ça, je le mets hors de portée du, de la druidesse, là. Ok, pas mal. Voilà. Et maintenant... Et maintenant, c'est à moi. Prochain tour, l'archer, je le défonce avec mon guerrier. Et prochain tour, le mage, je le défonce avec le mage. L'autre mage. D'accord, parce que là, moi, je vais pas pouvoir partir du guerrier à 30 points de vie, hein. Ou alors je le pousse et je tente de. Sinon, esquive-le, esquive-le, tu l'esquives et tu fonces sur le mage. Enfin, l'esquiver, ça veut dire que je me prends une attaque. C'est ce que tu entends par là. Attends, plonger, sauter, se désengager, bousculer. Est-ce que je peux sauter? Je teste des trucs. Ouais, tu peux sauter sinon, effectivement. Ouais, ça m'a voilà, désengagé. C'est... Là, je monte. Impossible de grimper. Ok, si je fais ça. C'est l'autre que j'aurais dû faire. Là. Et j'ai raté. Ok, mais je suis au corps à corps. Là, t'as pris 4. Oh là là! Oh, je viens de lui mettre 14! Oh, c'est dommage, j'aurais réussi mon attaque, elle serait morte. Ah, il me vise à moi! Ah, on a définitivement perdu la prêtresse. Ah! Merde! Ah, je l'avais oublié! Vous croyez quoi? Mon cher Béchamel, vous croyez qu'elle peut s'en sortir malgré les hectolitres de sang qu'elle a l'air d'avoir perdu? C'est pas grave, on la soignera après. Ok, si je monte là-haut. En vrai, ça se passe pas si mal hein, si on oublie la prêtresse. Oui. Hein. Ah, attendez, je vais faire un sursaut d'activité. Si je suis avec les deux faucilles, Fumble Cave. Ok. Ok. Ne m'obligez okay. pas à faire ça. Ah, mais en fait, c'est potentiellement des potes. C'est juste qu'ils ont les masques. Ça se trouve, il y a peut-être un moyen de... C'est vrai, j'y avais même pas pensé. Ça m'a même pas traversé l'esprit de ne pas les tuer. Il vient de réussir un jet de sagesse pour pas nous taper. Le guerrier du bas avec son marteau. Ah, tu me fais culpabiliser maintenant, du coup. Bah ouais, il y a peut-être un truc à faire, je sais pas. Non mais on va les délivrer dans la mort. Je vais tenter de l'en... Oh, ça va pas marcher. Bah tant pis, on va les tuer alors. Pourquoi? Ah parce que... Attends, je suis pas sûr. Non, c'est à qui? C'est à toi? Oui, c'est à toi. C'est à moi, c'est au mage de jouer, voilà. C'est à... J'ai fini. Et là c'est à moi. Et bah, attaque normale. J'ai je tué la mage. Je n'ai malheureusement pas de délivrance de la malédiction, c'est donc... eh bien, tant pis. On pensera à eux, hein. Vraiment. On offrira des fleurs à leurs parents. Ah mince, ça m'a... D'accord. Le mage est terrorisé. Allez, à moi.
Ah, je sens bien, ça va le faire. Mais oui. Ah, c'est raté. Attendez, j'essaie quelque chose. Paf. Non, c'est raté également. Voilà. Ah, il m'a mis 7. Ah, d'accord. Voilà. Ah, bonjour. Mon cher Béchamel. Ah, bah voilà. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce Spider-Man? Incroyable. Il a pu me mettre 2 attaques, sauter sur toi. Il... Oh, il est... Le guerrier adverse a en un seul tour vous a tué, a sauté sur une rambarde et a tué le mage. C'est, je mais pense le début devrait... était pas mal. Je pense qu'on devrait songer à l'engager à lui, hein. Oui. Il a l'air très très fort, ça ferait une bonne aide pour vous, mon prince. Oh, j'arrive à taper dans mon dos, c'est fortement inefficace. Je vais essayer de le bousculer. Sors de là, malandrin. Ah bah il revient. Oh. Oh mon sang, mais il n'arrête pas de massacrer. Il m'a fait tomber. Mais dis donc, il joue 17 fois. Il triche. Mais bon, je pense c'est, que c'était pas mal. Mais je pense que ce joueur abuse légèrement du système de jeu. Un peu comme nous quand on va recharger. Tu veux que je recharge maintenant ou tu veux finir? Ah bah je pense que là on peut envisager de recharger, oui. Charger une partie. Alors par contre tu vas attendre avant d'avancer que tout le monde... attends. Quick save. Que tout le monde passe le petit pont là. Ce serait bien. Alors dans ce cas là on va les laisser venir. C'est pas comme si vous jouez mal, pourquoi les combats se passent si mal? Bah si, nous manque quand même des spells. On est un level en dessous. Ouais. Utilisez la discrétion pour te placer avant le combat, sinon vous perdez votre premier tour. C'est vrai que c'est pas bête, ça. Si on met tout le monde en discrétion, on peut faire des attaques. Effectivement. On peut avoir l'avantage sur la si première j'avais... attaque. Est-ce que j'ai le sort invisibilité? Non, invisibilité, c'est peut-être un peu trop demandé, ça. Invisibilité, mais tu vas se cacher. Invisibilité, c'est quand même bien craqué de ouf. Attends, je regarde qu'est-ce que j'ai comme parchemin. Donc quand tu appuies sur se cacher, tu vois où les ennemis ont leur champ de vision. Ah. Mais il faut que tu le fasses avec les deux persos par contre, hein, oublie pas. Alors attends. Si je fais ça. Donc là tu vois, je suis en train de me déplacer, je suis caché. Je vais... Du coup je vais peut-être aller sur l'archer plutôt que juste là. Et toi, oui. Tu vas aller sur le guerrier et la mage. Et l'autre, ouais. On va le laisser tranquille pour le moment. Ouais, ouais. Pour l'instant, il me voit toujours pas. Ah, je crois qu'il t'a vu. Ouais, le guerrier, c'est bon. Mais le guerrier, je vais essayer de le gérer. Oh, j'ai 58% pour toucher, quoi. Cette tristesse. Bon, bah, j'y vais. Hein. Oh, j'ai raté. Oh, j'ai tellement la haine. Ça pour vous laisser. Ah, j'essaye d'endormir, mais ça marche pas. Non, bah, ils sont peut-être sous un charme, donc peut-être que. Ouais. Si c'est vrai ça. Qu'on a pas essayé de les assommer. Hein. Crane, c'est mort pour la furtivité. Fred était déjà en combat. Oh mince. T'avais bien vu la zone rouge pour pas te faire voir, Fred, ou pas? En fait, j'ai lancé un sort, surtout. Parce que comme j'ai la musique de combat qui s'est déclenchée, je me suis dit, il doit être en combat. Oh, ça, je suis déjà au sol. Ah, il faut en buter un très vite, en fait. Si t'arrives à en buter un très très vite... Bah, j'aurais pu si t'étais pas en combat. Ah, ok, il est pas mort. À toi. Mais lui, il est vraiment dangereux, celui qui est en face de toi. Ouais, je vais... vas-y. On va tenter. Oh, 11. Ah putain, il a contre-attaque en plus. Il est pété. Il est complètement pété, celui-là. Faudrait essayer de l'assommer. T'as essayé de l'assommer? Non, mais attends. Non, j'ai pas essayé de l'assommer, effectivement. Mais je dois pouvoir le faire.
Oh putain, mais t'as, il esquive. Mais c'est. Ah non, mais il tue derrière. Ah, mais c'est lui le personnage principal en fait. Non, j'ai rechargé. C'est quoi tu vas. Ouais, non, mais c'est complètement lui. Hein. C'est nous les gobelins en fait, là, dans l'histoire. Tu vas te calmer, chaton, sur le chat là. Il est là. Mais ta Claire, OMG, elle peut encore attaquer, mais ta Claire, tu fais quoi? La Claire, c'était un peu le cadet de mes soucis, là. Faut peut-être vous reposer. Peut-être, oui. Non, mais même là, c'est pas un problème de... On n'a pas de sort de heal à caster, tout ça. On est bien, sinon. Ah, pourquoi on est en combat, là? Je sais pas. J'ai rien fait. C'est à toi de jouer. C'est à toi, là. Donc tu veux... Tant pis, on commence comme ça. Sinon, on les laisse venir. Sinon, vas-y, on les laisse venir. Ah bah... Ouais. Non, regarde. On repart en arrière. On repart en arrière et on les laisse venir. Je peux plus revenir en arrière, ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Bah, vas-y, je passe le tour. Un petit 14 sur la Claire. Ça se trouve, eux, ils peuvent peut-être pas passer la fameuse porte. Hein. On va tenter. Et on va met tenter. Quelqu'un, on va de l'autre côté de la porte. On va tenter. Attends. Ah, attends. Second souffle, mobilisation. Ok, j'ai mis la Claire de l'autre côté de la porte. Ouais, moi aussi, vas-y. On tente la. On tente la strat de la porte. On tente la strat du bug exploit. Quand il reste plus rien. Utilisation intelligente des mécaniques de jeu. C'est ça. Non, c'est pas moche. Les gens disent c'est moche sur le chat. C'est être malin. Voilà. Putain, c'est dommage, je peux pas caster un sort là, dommage. Raté. Cher Béchamel, je vous conseille vivement de vous barrer avant que Superman arrive. Ah, j'ai pas réussi à passer la porte. Je crois que je suis dans la porte. Ah, quel mal. Oh, secours, mon pain, je suis enfermé dans la porte. Vous ne faites qu'un avec la porte, maintenant. Mais moi, je porte les choses, je ne tue pas une porte. Oi, oi, oi. Oh, ça fait mal, hein, dis donc. Ah, ça fait mal. Ah, t'es mort. Bon, attends, on va quand même tenter la strat juste pour voir si tu passes la porte. J'ai une strat, j'ai une idée. Ah, ok, je passe. Toi, là. Je fais ça, regarde, je fais ça, hop. Vocal Nubes. Ouais. Tu restes pas ton pote? Non, après je me barre. Maybe later. Ok. Je passe le tour. Là, il faudrait que. Tu peux me raise à distance? Comment tu veux que je te raise à distance? Un scroll. On n'a plus de scroll, je crois. Ah merde! On les a tous utilisés. Non, ouais, j'ai pas de scroll. Attends, je vais essayer de venir te raise pour de vrai. Tenez bon mon prince, je suis là. Allez. Ok. On se casse. C'est bon, j'ai passé la porte. Fin du tour. Maintenant faut que tu survives. Oh, il a raté.
Allez, il suffit que tu survives à cette attaque et c'est bon. Ah, je crois qu'il te voit pas. Oh, oh, oh non. Ah mais les mecs ils voient dans le brouillard, c'est des prédateurs. Non, j'ai passé mon tour. Hein. Faut vraiment qu'on sache s'ils peuvent rentrer ou pas. Je reviendrai 13 avec... Ah oui, c'est vrai. Jette-moi une potion. Tu me jettes une potion de soin dessus. Ça marche. Ça marche, ça? Oui, oui, ça marche. Bah vas-y, là, c'est à toi. Hein. C'est le mage. Ok, attends, je passe ça. Je vais peut-être protection contre les armes et soumis à résistance pour l'interférence. Ah, j'aurais dû mettre une protection contre les armes, tu vois. C'est mieux, c'est pas ça quand même, mais les objets, si je fais ça... Non. Est-ce que je fais un... Je réfléchis. Je vais essayer ça. On va faire des dégâts à un moment. Sauf que si je fais ça, je n'ai pas de... Ah si. Ah non, ça fait des dégâts à la porte en fait. La porte est physique en fait. Ah oui, casse pas la porte. Hein. La porte, c'est peut-être notre. Non, mais la porte, elle a des PV immortels en fait. C'est juste qu'elle ne. Ah, ça va alors. C'est juste qu'elle est physique en fait. Tu peux pas caster à travers en fait. C'est une illusion, mais elle existe quand même. Mais du coup, ça veut dire que eux ne peuvent pas caster à travers la porte non plus. Donc ça veut dire qu'il y a un début de strat. Bah là ils ont... j'ai l'impression qu'ils avancent pas. Hein. Ils avancent pas, ouais. Faudrait juste réussir à me raise. Et après on peut les pull en fait. Alors attends, comment ça marche de... Attends, si je viens là, la cible est trop loin. Mince, je suis trop loin maintenant. Faudrait que tu passes la porte, tu me jettes la potion dessus. Est-ce qu'il veut plus... Attends, ça marche parce que j'ai une mauvaise cible. Donc là j'ai passé la porte. Ouais, vas-y. Par contre il faut que tu me jettes la potion dessus sachant que tu vois rien non plus en fait. Comment tu jettes une potion? Moi je veux bien mais... Parce que si j'appuie dessus je la consomme. Alors je pense que c'est en faisant... L'action lancée. Lancer la potion. Potion de soin supérieure. Et donc là, mais faut que je la mette sur lui, parce que si je la mets sur toi, oui, c'est ça sur va moi, faire ouais. du dégât. Non, ça va me soigner. Ah, tu m'as raté. Tu m'as raté et non seulement tu m'as pas soigné et en plus tu m'as fait des dégâts. Attends, je peux réessayer encore. Il me balance des bouteilles d'aspirine au visage. Ah mais non, je peux pas le faire deux fois. Allez. Soigne-toi! Bah ouais. Bah je vais passer mon tour et attendre. Là il vient sur moi, raté. Ouf. Ah! D'accord. Mon cher Béchamel, que diriez-vous de repartir dans le temps? Une fois de plus! Heureusement que vous avez ce pouvoir incroyable, mon prince. Et ceci dit. Attends, charger une partie. Notre meilleur essai, c'était quand on a commencé en fufule. Hein. Ouais, non, notre meilleur essai, c'était quand on avait été sur la mage. Donc moi, j'aurais tendance à dire on retente la strat fufu. La strat de la porte, je suis pas hyper convaincu, là. Ok. Ou alors, faut tous être derrière, il y en a qu'un seul qui vient. On va se cacher. Je vais cacher le mage. En fait, le problème, c'est que... C'est la VOD du chargement de partie, j'avoue. Quoi? Non, quelqu'un qui dit que c'est la VOD du chargement de partie. Bon, après, souvent dans ces jeux, tu recharges. Et putain, le combat est déjà engagé pour moi. Alors, pourtant, on est en quick save. Attends, je vais regarder où est celle d'avant. Celle d'avant, on est derrière la porte, donc t'as pas buffé. Tu veux que je remette attends. Avant? Attends, non, c'est bon. Parchemin de flou. Ah, tu veux le conflit. C'est bon, vas-y, on va cramer les parchemins. Voilà, je suis flou. Non, là, tu viens de dépenser tout ton... Mais on est déjà en combat. Écoute, en tout cas, moi, je suis flou. C'est l'essentiel, je suis flou, voilà. Ensuite, je vais mettre une nappe de brouillard... là-dessus. Voilà, comme ça elle y voit rien. Ça fait une menace de moins déjà. Okay. Ensuite, je recule ce type-là.
suis en train de foncer sur la mage. Ok. La prêtresse qui a pas de point de vie. Quoi ? Illusion mineure. Renvoi des morts vivants, évocation de flamme, incantation de duplicata, fait apparaître une illusion qui détourne l'attention des ennemis. Ça a l'air bien ça. On va mettre là. Ok. On va tout mettre, pour nous. Là, prochain tour, moi je vais mettre une protection contre les armes sur mon personnage. Et ensuite, je vais le faire tanker le guerrier adverse. Je sais pas quoi faire là, je vous mets la prêtresse. Enfin, je vais lui prendre la popo parce que là, voilà. Vas-y, on claque tout. Hein. Vas-y. Ouais, à mon avis, moi je vais pas m'en sortir. Ah, t'es en 1v1 contre la mage. J'ai 3 points de vie et j'ai un dot, donc je vais mourir. Ah, et ils ont one shot. La prêtresse, bien sûr, comme toujours, bien sûr. Un grand plaisir, cette prêtresse. Alors attends. Avant, c'était le mage. C'est bon, souffle. Quelqu'un qui dit j'espère qu'il y aura pas de boss après, logiquement, ici. Il devrait. Oui, y mais avoir ça, c'est les PNJ avant le boss, oui. Oui, je me dis. Non, je vais pas faire ça. Ah, mais je suis mort au fait. Ah, mais j'avais pas vu que j'étais mort aussi. Ah, t'es mort? Bah, très bien. Exceptionnel, parfait. On va recharger. Hein. Attends, on sait jamais. On sait jamais, j'essaie un truc. 45%. C'était bien. Je sais pas ce que t'as essayé de faire, mais c'était bien. Bah, j'ai essayé de faire un truc. Vas-y, recharge. Attends, je vais recharger la sauvegarde d'avant, avant tes buffs. Vas-y, tu recharges et on fait une intro de VOD. Au début, on fait « Salut, bienvenue !» On commence tout juste cette partie exceptionnelle. D'accord. Oh là là. Non, mais en vrai, franchement, je vais mettre... c'est l'archer qui nous déboîte. En fait, je vais mettre une nappe de brouillard sur là où est l'archer. Non, mais déjà, c'est notre engage qui va pas, Fred. On se met en fufu et on se positionne bien. C'est quoi la première cible? Est-ce que première cible, c'est l'archer ou c'est le mage? Moi, il faudrait que je... Ah, les deux, elles sont importantes, en fait. Il faudrait que ce soit tous les deux qu'on arrive à tuer ces deux-là, quoi. Ok, alors regarde, c'est quoi? Regarde, je vais prendre... Je vais foutre un... En gros, je pense qu'il faut s'en foutre de celui à gauche. Mais si tu peux mettre une nappe de brouillard pour qu'on s'en foute encore plus, c'est mieux. Qu'on aille tuer le mage et l'archer. Donc moi, je vais par exemple sur le mage, toi sur l'archer. Voilà, moi j'ai mis un parchemin de flou. Je vais prendre le mage. Combien de temps ça durait ? Bien, on le verra dans quelques secondes. Je vais prendre. Le temps, il passe plus vite du coup. Ouais, mets la pause. Mets en tour par tour. Voilà. Je vais mettre une protection contre les armes. Voilà, sur le mage. Attends, qu'est-ce que j'ai, parchemin de communication? Protection contre... Attends, on va quitter ça. Protection contre les... Ça, je vais le mettre également. Est-ce que je peux le mettre sur la prêtresse? Convocation de Quasier. Non, c'est que sur le merde. Alors, attends. Image miroir. Est-ce que je peux le mettre sur toi aussi? Non, image miroir, c'est que sur le mage. Tout ça, c'est que des sorts pour le mage, en fait. Hein. Oui. Ok. Ensuite... Je regarde, qu'est-ce que je peux avoir? Est-ce que j'ai pas un truc qui... Là, si vous avez... si dans le chat, là, vous avez accès à notre inventaire, dites-moi s'il n'y a pas des machins qui pourraient être utiles dans l'inventaire, là. Potion de résistance au froid, antitoxine. Potion de vitesse. Tiens, prends la boîte à potion. Toi, tu bois ta potion de vitesse en entrée de combat. Comme ça, tu vas rusher immédiatement sur l'archer ou sur le mage. Pas encore. Essaye d'appliquer enduit, t'as du poison de vivre aussi. Oui, dans mais ta, ça t'en est pas au corps à corps. Après, il nous reste les trolls, hein, je rappelle, dans le pire des cas. Ouais, mais ça, on garde. Ouais, pour le boss. Ce serait bien pour le boss. On pense ma magie défenseur d'une créature qui m'édifie. Elle a vraiment rien, elle a même pas de potion, elle a rien, quoi. S'il y a résistance... Ah, mais elle utilise déjà sa concentration. Ouais, non, on va laisser comme ça et... Et merde. Ça, ah vas-y, dégage. Ah, y a pas l'extension, merde.
Oui. Ok, ok, vas-y. Allez, vas-y. Hop. On avance. Donc là, attends. Mets-toi en fufu, hein. Ok, fufu. Ok, ton mage aussi. C'est bon. C'est bon. Et là, je sauvegarde. Vas-y. Ok. Donc maintenant... on va avancer, donc en regardant bien où sont les zones rouges au sol. Qu'est-ce que je fais de la prêtresse? Je vais la détacher. Et pour l'instant, on va tous se positionner. Donc on regarde un petit peu comment il tourne. Non mais regarde, c'est quoi? Là, là, il est dans le dos. Je fonce, j'ai l'occasion. Oui, bah attends, pour l'instant, le... Non mais là, tu vas nous faire repérer. Ça y est, t'es dans le... Tu te fais voir. Mais non. Enfin, maintenant, oui. Mais quand tu l'as dit, non. Tu laisses pas passer les personnages, quoi. Bon, mais on... Combat. Attends, mais ça va le faire. Fais-moi confiance. Ça va le faire. Regarde. Fais-moi confiance. Ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Bon, vas-y, on va aller comme ça, tant pis. On va me voir. Ah, t'es déjà mort. Ça va bien se passer, vas-y. T'inquiète. Pourquoi tu m'écoutes pas? Pourquoi mais tu je t'ai écouté, pas mais, non, tu m'écoutes pas. J'ai vu le cas. Mais Crane, tu comprends, c'est important de faire preuve de spontanéité. Des Ah, en plus, ils font un crit. Parfait, comme ça, il m'a one shot. Parfait. Bon, vas-y, tu peux recharger et ok, on fait ce que tu veux. Ok, ça va, ça marche. Ok, alors attends, oh, c'était là. Donc en gros. Normalement, tu dois pouvoir te déplacer de telle façon à ce que tu es à côté de l'archer sans qu'il te voie. Oui. Et du coup, on va essayer... Le problème, c'est le mage. Le mage, je peux pas aller à l'engage. Le mage, il regarde clairement devant lui, donc il va falloir regarder un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un combat facile, tellement facile normalement. Ouais, bien sûr, ouais. Le machin, il nous one-shot, mais c'est un combat facile selon toi. Ah, mais après, c'est le même gars qui râlait tout à l'heure déjà. Je te banne, toi. Ok. Donc là, hésite pas à détacher ton mage de ton perso. Parce que sinon, il suit mon perso principal. Ouais, sinon, il suit le perso principal. Ah bah, c'est très bien comme ça. Non, pas la porte. Oh, the door trembles at the thought of that. Je parle à la porte. Oh, mince, je suis plus caché. C'est bon. Ok, donc, c'est là, bon. Voilà. Là, on remarque qu'on a une zone qui a l'air très très safe où personne ne nous voit, c'est derrière ce rocher. Oui. Ok. Et là, alors, tant qu'elle n'est pas retournée, par contre, elle risque de se retourner bientôt. Moi, je vais... Attends. Non, elle se retourne. Non, c'est bon, elle ne m'a pas vu. Ok, je vais aller derrière la mage. Est-ce que toi, tu es en position ou pas? Attends, dès qu'il se retourne, c'est parti, j'y vais. Ok. Oh, mince, j'y suis presque. Retourne. C'est maintenant l'occasion. J'y vais. C'est maintenant l'occasion. Ok, je lui ai mis 11. Tu as un coup du mal. C'est à moi, là. Ah oh, putain, raté, quel enfer. J'ai tué le mage. On a réussi à surprendre l'ennemi. Il fallait utiliser la ruse. Alors, attends. Vague tonnante. Non, peut-être pas vague tonnante. On va faire le rayon ardent, peut-être. Vas-y, on va faire ça. Ok. Est-ce que toi... Par contre, du coup, j'ai pas avancé la prêtresse. Mais... Après, c'est pas grave. Mais jamais je peux aller au corps à corps de lui. Hein. Ok, alors. Moi, j'ai mis la fin du tour pour le mage. Et fin du tour pour mon guerrier. Je vais revenir. Ah, je peux pas revenir vers toi, mince. C'est moi, l'archer, il est mort au prochain tour. Il faut que tu te fasses la druidesse et laisse-moi t'en. Mais je l'ai déjà tué, moi, la druidesse. Non, t'as tué la mage. La mage, oui, pardon. Non, mais la druidesse, c'est qui? Celle qui est de l'autre côté. Ah, qui est très très loin. Ça va être ouais. Compliqué, hein, parce que lui, il va me sauter dessus, hein, c'est quasiment sûr. Essaye de. Mets-toi, va au bout de la plateforme. Va au bout de la plateforme et saute. Non, mais là, j'ai plus d'action. Là. Bah, au prochain tour. 16, 20. Ah, mais là j'aurais dû prendre la popo. Je peux prendre la popo de vitesse pour après. Vas-y, je vais prendre la popo de vitesse. Et du coup, j'ai encore du déplacement. Et j'ai même encore une attaque. Ok, nickel ça.
Je tire, 60%. Raté. Elle, elle est pas en combat, je crois. Ok. C'est... Ouf. Ouf. Comment ça se passe? Ça va. Ouf. Elle, elle est... c'est, ça. C'est une rageuse, hein. Nous allons faire une... Je vais tenter d'assommer la druide. 80%. Oh, j'ai raté. Oh, t'avais pas le droit. T'avais pas le droit. Je peux encore tenter. Ok. Ça a pas l'air de... Oh, je peux la frapper à l'infini. Oh, vas-y, je peux la frapper à l'infini. Je vais tuer un coup de 1 point de vie. Je ne sais pas ce qui se passe, mais attends. Moi, ça se passe très bien pour moi. Vas-y. Je cherche quelque chose. Enfin, arc électrique, peut-être. Ok. Ah, ça résiste. Ok, j'ai tué la druide. Comment ça se passe de ton côté? Je... On a tué deux, là-haut. Ça va. Oh, on travaille, hein. Bon, j'essaye c'est de alors... tuer... Attends. Tu vas le frapper, là, le gars devant toi, ou pas? Bon, disons que je vais essayer, quoi. Vas-y, vas-y. Et, parce que moi, là, je peux lui tirer dessus, mais j'attends de savoir si tu le frappes ou pas. T'as déjà fait ton action ce tour-ci ou pas, Fred? Oui. Attends. Vas-y. Voilà. C'est moi ou lui? Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ah, mon cher Béchamel, vous trichez donc! C'est donc ça ce qui est en train de se passer! Comment ça, je triche? Ah, parce que depuis tout à l'heure, moi je suis en train d'essayer de me battre! Mais non, mais toi, en fait, là, t'es hors combat en fait. Là, tu. C'est genre le. C'est le stand de Jojo en fait. Aïe, aïe, t'es le mec qui est d'en haut. Je pourrais redescendre, mais je vais rester là. Vas-y, juste meurs pas. Ah, c'est bon. Il a réussi son test de sagesse, donc logiquement. C'est bon. Il est pris de remords, massacrez-le. Alors, faut que je finisse lui parce qu'il a un point de vie. Mais d'un autre côté. Non, là, il est juste assommé le mob. Attendez, je vais essayer de. Je vais essayer de l'endormir. Bon, ça ne marche pas, évidemment, bien sûr. Bon, vas-y, il en reste qu'un, j'en ai tué trois là. Vas-y. Je vais essayer de l'assommer. Paf! Ah, oh, il a raté! Oh, c'est bon pour nous, ça! Oh, c'est bon! Allez, 60%, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît! Oh non, ça rate! Attaque normale! Oi, 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 ah non, non, faut pas que tu meurs! Hein. Ça win. Oh, on a du bol, il réussit ses jets de sagesse! On a grave du bol! Là, c'est juste tiré comme ça, 40%. Elle résiste absolument tous mes sorts. Je vais réessayer de l'assommer. Vas-y. Oh, ça n'a rien à faire. Heureusement qu'il ne touche pas. Hein. 10. Ok. Le mage. 10. Ouh! Ok. Alors je vais tenter de l'assommer aussi, hein. Ça a l'air d'être le bon deal, ça. Ouais, ça se. Assommer, ça marche pas quel très enfer. Bien. Bon, c'est pas grave, c'est la prêtresse. Oh, c'est bien ça! Oh, c'est le GG, ça. Du coup. Oh, c'est trop loin. Je vais retenter de l'assommer. Et maintenant qu'elle est au sol. Voilà, assomme-toi, grognasse. Ah, oh, mais je rate. Est-ce que je tente de descendre? On va tenter de descendre. Oh oui, ça passe. 3. Vas-y. Ah non, elle se relève, ça j'aime pas ça. Me frappe pas moi. Oh, elle rate. Oh, ça veut dire qu'elle va frapper deux fois. Elle a un PV. Elle a un PV. Ok, on peut le faire. On peut le faire, j'y crois. Je sais pas à qui c'est de jouer. C'est à elle. En cours d'approche.
Vas-y, vas-y. Un PV. Attends. Assommé. Raté. Ok. Merci Lambino pour les sommets. Attends, faut que je passe. Ah oui, il faut que je passe même avec... Ok, c'est maintenant. 70%, bim. Ok, c'est pas fini. 70%, bim. Voilà, ah bah, j'aurais tué les 4. Bon, elle est pas assommée. Ça veut... Tant pis. Il faut aider... Mais tant pis, elle avait cherché un petit peu. Oh, une armure. Non, tu j'ai peux la même aider... chose. Parce que j'ai pas l'option pour relever... Vite, 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 avant qu'elle meure. Vite, vite. Attends, je vais faire ça parce que sinon... Ça y est, j'ai l'option. Hop. J'ai essayé de communiquer avec le cadavre, mais elle n'était pas devant son téléphone. Mon cher Béchamel. Alors, attends. Propos de vie. Et elles sont parties où, les deux autres? Elles sont... deux ici. Ah, il lui en restait une, mince. Buvons. Hop! En tout cas, on a gagné. Et ça, c'est beau. C'était facile! Je vais manger une tête de cochon pour l'occasion. Je veux pas dire, mais à partir du moment où t'as écouté ma strat... Voilà. C'était aussi ma strat. Ah bah bien évidemment. Oh bah bien évidemment, vous êtes tellement fort. Ah bien sûr. Vous êtes un fin tacticien, mon prince. N'oublions pas quand même d'où viennent les idées dans ce groupe. Ah oui, c'est vrai qu'on peut... C'est vrai que j'ai pris une popo alors que je peux juste manger un jambon. 18 sur 21, ça donne quoi? 16, 18, 18, 21, 36, 36, 24, 30. On n'est pas si mal. Je vais sauvegarder, hein. Ouais, je me suis mangé deux petites têtes de cochon. J'avoue que je n'ai plus faim. Alors, excusez-moi par contre, mon cher Béchamel, je pense que nous avons oublié quelque chose dans la salle suivante, car si je me fie à l'indicateur de quête, c'est pas très roleplay. Attends, à votre septième sens, sixième sens plutôt. Ah mais les mobs ils font des dégâts, c'est insane quoi. Ah ouais. Non, les indicateurs de quête, ils disent n'importe quoi, je trouve. Alors, armure en cuir clouté, arc long. Tout le monde n'a pas forcément un arc long. On va regarder. Et merci, Play Randy, merci beaucoup. Ah, il y a des level up à faire aussi? Quelqu'un me dit level up? Non. Oui, toi et la prêtresse de level up. Ok, on va faire ça. Qui n'a pas d'arc long? J'ai une arbalète, un des 8 perforants. Ah, j'ai trouvé de l'or à moi. Ah, elle a pas la maîtrise, elle peut pas. Portrait de famille. Attends, toi, tu peux mettre arc long. Pas la maîtrise. Ah non, je peux pas. Mon cher Béchamel, j'ai trouvé un nain en T-pose. Est-ce que ça vous parle? Où est-il? Il est dans la salle d'avant. Je suis revenu dans la salle précédente pour fouiller. Pour fouiller ce que nous avions pu oublier éventuellement. Il y a un chemin derrière la cascade ici. Dites-moi si vous trouvez quelque chose d'intéressant. J'arrive, attendez, j'ai trouvé un miroir également. Il y a plusieurs miroirs ici, il y a une salle avec de nombreux miroirs. Je pense qu'il y a un moyen de les sauver, hein. Probablement. Celle que j'avais au sol et qui était à un point de vie, le chat me disait peut-être que si tu lui avais looté son masque, peut-être que... Ah ! C'est vrai. Eh bien, tant pis. Yuck. Portrait de famille. My dearest Ephraim, he begged me to halt the deadly disease that. Là, pareil, ça se trouve, il y a un sort, tu sais, pour enlever la pétrification, peut-être, hein, pour dépétrifier. Ouais, peut-être. Ça, on a douté. Du coup, on avance. Ok. On peut boire au chaudron. Attends, j'ai pas fait mes level up, c'est vrai. Pardon, je fais ça vite. Ah, on passe niveau 4. Nice. Et un nouveau sort lumière, insuffle une aura de lumière à un objet. On va tout laisser comme ça. Niveau 4 étant le dernier niveau. Pour c'est ça. Ah, et j'ai le droit à une amélioration de caractéristiques. Sagesse, je la fais passer à 18 en sagesse. Ah, je peux pas.
Ah non, il me dit déjà ce que je peux faire. Wow. Je vais avancer alors. Oh. Je peux changer de don. Amélioration de caractéristiques. Oh, c'est intéressant tout ça. Mais bon, amélioration de caractéristiques, c'est très bien. Et il me propose plus ça en dextérité et plus ça en intelligence. Non. Dans quoi on veut du plus 1, chat? Où est-ce que je mets mes points? Parce que j'ai pas pris la spécialisation où l'intelligence est vraiment intéressante. Ouais, le full deck, je peux pas mettre... Ah si, je peux mettre plus 2. Oh, je peux mettre plus 2. J'ai rien dit, je peux mettre plus 2. Oh, mais ça se trouve, je pouvais mettre plus 2 avec la claire aussi. Oh, mon cher Béchamel, je pense que nous allons de... Oh là là. Oh, j'arrive, mon prince. J'étais en train de faire du rangement. Est-ce que vous avez pris votre basque à gaz, Béchamel? Cela pourra se révéler utile pour la suite, car j'ai l'impression que quelqu'un a pété ici. Oh, c'est pas moi, mon prince. Écoutez, je vous attends. J'arrive. Nous allons faire une expérience avec vous, d'accord? Ah oui, mon prince, j'aime bien les expériences. T'as sauté pour aller là? Oui. Attends, j'essaye de trouver un endroit où je peux sauter aussi. Là, attends, ici. C'est parce que le... moi j'ai devant. Et attends, faut que je fasse sauter les deux persos. Et là, c'est bouge personne, les mets pas dans le poison. Je vais mettre les deux et ensuite on va sauvegarder. Ah, attends. J'avais un endroit ici. Non, la cible est trop loin. Pourquoi? Rapproche-toi. Voilà. Maintenant, on saute. Espace insuffisant. Ici. Ok, maintenant je sauvegarde. On va même faire une vraie sauvegarde. Deux secondes. Hop, nouvelle sauvegarde. Accepté. Ça y est! C'est bon, mon prince, je suis prêt. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voyez là, l'immense flaque verte toxique devant vous? Est-ce que vous pourriez marcher dedans? C'est pour... Oh, bien sûr, mon prince. C'est uniquement pour voir quels sont les effets sur les mortels. Ah, ça fait mal, mon prince. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Très bon, bien. Par contre, on n'a pas pris. Alors, attention, ne pas marcher dedans. Attendez, je vais manger quelque chose parce que ça fait très mal. Je pense que nous allons devant. Je pense que nous avons un souci, Béchamel, concernant la suite de cette aventure. Attendez, j'arrive, je mange des pommes. Il va nous falloir beaucoup de pommes là pour la. Vraiment beaucoup de pommes. À ce point, mon prince. Ah, ouais. Ouais. Non, attends, ça va le faire. Comment on peut faire? En fait, il y a juste là. Non, il y a juste. Ah oui, non, il y a deux nuages. Il y a que deux nuages à passer. Est-ce que vous pensez que le feu pourrait éventuellement dissiper? Oui. Oh, quelle idée fabuleuse, mon prince. Quelle idée fabuleuse. Ça m'est venu. ça m'est venu suite à un autre jeu qui s'appelle Divinity, mais qui n'a rien à voir avec. Oh non, ça a réapparu. Ça revient. Il va falloir nous dépêcher, mon cher Béchamel. Ok. Ignis. C'est parti! Comme ça, à la place de marcher dans le poison, nous marchons dans le feu! C'est une bonne strat! Oh, quelle strat! Oh, je suis fiévreux! Mais elle veut pas, elle veut pas venir. Ok. Mais par contre, je sais pas pourquoi t'as pris ce chemin-là. Ah, bien, si je ne sais pas ici, non plus. T'as raison. C'est parti! Ah mais c'est un cul-de-sac. Mais non, c'est pas un cul-de-sac, tu peux descendre. Ah si. Effectivement, tout va bien. Ok, moi le... Non, les deux persos sont pas encore descendus. Ok, tout le monde est vivant. Facile. Facile. Alors attends, maintenant faut heal les gens un peu quand même. Hein. Il faut manger, mon prince. Il faut reprendre des forces. Ouais, manger des paquets. Est-ce qu'on devrait pas faire un vrai repos là par là? Bah, ça peut être pas mal, ouais. Attends, on pourrait avancer, on pourrait finir le poison et avancer en bas là, on a presque fini. Ouais. Nous arrivons au bout du poison là, attendez.
Attends, qu'est-ce que j'ai chopé moi? Et hop! C'est parti! Ouais, j'ai peur que mes persos ils passent pas là. On aurait pu passer en sautant. Ouh! Nous sommes arrivés tout en bas et nous avons seulement subi des brûlures au 8ème degré! Ça va aller, tu vois bien, mon prince! Tu veux que je sauvegarde là? Attends, je sauvegarde. Je pense que ce serait pas mal de faire un vrai repos, mais bon, ouais. Tu crois qu'on peut faire un vrai repos ici? C'est l'endroit parfait pour s'opposer! Vous ne pouvez pas utiliser le voyage rapide à partir de cet endroit. Nous arrivons en face de la sorcière, ça me semble une bonne idée! Non, j'ai fait un repos rapide, le repos long il a pas voulu. Par contre, est-ce que j'ai. Il faut quand même qu'on. Attends, lance pas le combat, hein. Faut qu'on se mette bien full life. C'est pas mon genre de me mettre à attaquer tout le monde sans aucune raison. On sauvegarde. Et maintenant, faut qu'on mange et qu'on se mette full life. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment je pourrais virer ma fièvre? Des avantages sur les tests de force et le jet de sauvegarde de force. Au pire, c'est pas très grave. 3 tours. Non, c'est bon, j'ai pas besoin. Ok, mangeons. Mangeons. Oh, des saucisses. Une petite pastèque là après avoir du fromage. Pour soigner ses blessures, hein, ce fruit frais. Voilà. Pas une petite pomme. Ça y est, c'est bon. Maintenant, pour elle. Elle est à combien? Elle est à 17. Une longe de porc. C'est bon. Il y a une femme devant nous. Je vais me permettre de lui adresser la parole si Attends, vous voulez bien. Attends, tout le monde est full life. Ok, je sauvegarde. Vas-y. Mais ma Mérina. Est-ce que c'est pas la femme qu'on avait vue tout à l'heure? Ah, visiblement, elle est sur une espèce de d'ascenseur. Il faudrait. Peut-être pourrions-nous trouver un genre de levier. Ah, regardez, il y a une orbe de contrôle. Il s'agit probablement d'un dispositif magique, mon cher Béchamel. Sylvestre. Je vais appuyer dessus en espérant la libérer. Voilà. Oh, ça a l'air de fonctionner. Oh, vous êtes si astucieux, mon prince. Je suis un génie. Je vous laisse lui parler. Ah non! On n'est pas en combat. Ah. Attends, je sauvegarde. Eh bien, je sauvegarde. Oui, oui, oui. Tu peux lui parler là? Je oui, vais. Tu peux lui parler. Non, je vais parle me mettre lui. En. Fa... Parler à qui? Ah oui, mais c'est vrai que j'y ai. C'est vrai qu'il y a... j'avais oublié qu'il y avait le. Non, je peux pas lui parler. Par contre, je peux taper. Et bah, alors attends, n'hésite pas pareil à te mettre un peu en fufu. Ah. Ah bah c'est trop tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Logiquement, bon. Elle t'a vu là, non? Elle a pas pris mal. J'ai essayé de lui mettre un coup d'épée, mais ça va. Elle a pas. Elle bah, a fait bon, ok. Vas-y. Ça va. Bon, du Par coup, contre, j'ai plus de sort. Mon mage, il a plus de sort. C'est chaud. Attends, quoi que non, je peux faire une récupération magique. Faire ça, une récupération magique de premier niveau. Passer en placement de sort, image miroir. Ok, moi je suis derrière. Je pense que le boss il a un problème là. Je teste de la frapper. Elle est niveau 5, elle a 112 points de vie. Ça va être facile. Easy. Mario, 40. Ça... Ou alors elle prend vraiment les choses de manière super récompensée, ou alors je pense qu'il y a un petit problème. Bah ça a l'air de bien se passer. Oh, allez, le combat est plus simple que prévu, mon prince. Nous pouvons le faire, mon cher Béchamel. Oh, je pense qu'on va y arriver, mon prince. Mon Donnez sang, tout ce que vous avez, mon prince. Cette tapis et elle ne peut rien faire contre notre ruse. Oh là là. Incroyable. Nous sommes tellement puissants. Et c'est oh, bravo victoire, Béchamel. Oh bravo, nous sommes si prince. Forts. Il y avait il y a comme un bâton pour le mage. Je te laisse prendre. Visiblement elle l'a mal pris, pourtant nous l'avons sauvée d'une créature dégueulasse. Elle était moche, donc elle était méchante. Attends, qu'est-ce que je suis censé avoir fait? Ethel was going to bring my husband back from the dead. And now I'll never see him again. Bah, elle fallait peut-être Because le dire avant que je la tue, espèce de conne. Ah. Ah, magnifique plan. Caméra 2 derrière le poteau. On ne voit pas ma beauté de là où je suis. Ne soyez pas naïfs, une guenonne ne vous aurait jamais aidé. She would have.
I had everything figured out. Just a bit longer and my child would have been born. And all this would have been over. Et vous alliez échanger votre bébé contre votre mari décédé? Don't judge me. I have nothing. My baby would have been raised in rags. Auntie Ethel promised to give this child a good life. Teach them magic even. More than I could have done. L'héroïsme n'a pas de visage, mon prince. C'est ce qu'Ethel vous a dit? I'd make a bad mother. I think she was right. I hope you're happy. Bien sûr que oui, on a eu de l'XP facile, évidemment qu'on est content. De l'XP qui ne nous servira à rien, mon prince. Ah, regardez, nous avons des bombes à limon et un bâton pour notre mage. En tout cas, le boss était plus facile que les personnes qui la gardaient. Ah oui. Je pense que nous l'avons sidérée par notre compétence et qu'elle n'a pas osé réagir. Elle s'est dit qu'elle n'avait aucune chance, mon cher Béchamel. Qu'est-ce que c'est que cette fleur étrange? Il se passe rien. Examiner. Ok. Bon bah du coup, voilà une quête rondement menée. Bravo à nous. GG easy, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte, mon prince? Ah, je ne sais pas, une Vous porte en bois, nous allons l'ouvrir. Ou qu'on peut passer au travers? Non, il s'agissait d'une porte normale. Oh, regardez, un hôtel couvert de sang, ça a l'air d'être de bon augure. Oh, bah peut-être qu'elle faisait la cuisine, mon prince. Ouais, ah, il y a une tête de cochon, j'adore ça. Saviez-vous que c'était le plat préféré de Jacques Chirac, mon cher Béchamel? Oh, je savais pas, mais qui est ce Jacques Chirac, mon prince? Oh, il y a du loot bleu. Où ça? Attends, je vais le donner au mage. Je te mets le bâton bleu sur le mage. Il gagne rayon empoisonné. Et toi aussi, normalement, t'as eu un œil quelque chose. T'as regardé ce que c'était? Attends, je peux voir dans ton inventaire, ceci dit. Ah oui, un bâton bleu, oui. L'œil éternellement vigilant, ce collier en cuir tressé est orné d'un pendentif précieux en forme d'œil. Vous jureriez qu'il lui arrive de cligner de temps à autre. Protection contre le bien et le mal. Moi, ça m'a l'air dégueulasse, je vais pas mettre ça. De quoi? Moi, je le mets pas, hein, le machin. Vas-y, je vais le prendre parce que. Mais t'as déjà un collier de façon celui pour parler aux morts. Ah oui, c'est vrai. Et moi, j'en ai pas. Pouf, pouf. Voilà. Un coffre lourd. Il y a plein de potions ici, regardez. Mort des potions. Oh, la richesse. Infusion de rien, bien marqué, ils ne le deviendront jamais. Familier disparu, rêve flétri, temps perdu, baiser de démence. Attends, je vais faire une petite sauvegarde parce qu'il y a un truc chelou là-bas. Ça sent le cœur de pierre, volonté vacillante, aversion d'une mère, avarice de l'aimant. On se croirait dans un Sephora. Ah oui, il y a un tourbillon magique. Vous voulez que j'aille voir ce que c'est, mon prince? Ah ben allez-y, j'allais vous le demander justement. Ah, où vous êtes? Je ne sais pas. Dites-le-moi d'abord et ensuite je verrai si je vous rejoins. Oh, il y a la mer. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est vrai? Oui. C'est. Je vous rejoins alors. J'ai un peu les pieds mouillés, mais. Ah oui, c'est un marécage putride. Effectivement, ça ressemble très fortement à la mer. Oui, mais vu de ma hauteur, c'était très très grand. Bon, on est pas mal. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah, c'est la musique. C'est pas du tout. Ah bah tiens, elle est là. Ah, elle est là. Peut-être qu'elle nous aime mieux maintenant. Gods, didn't hear you coming. I know I should head home, but I can't the thought of putting him in a wheelbarrow and making the journey all over again. J'ai trouvé une baguette grâce à laquelle je... Ah! J'ai trouvé une baguette grâce à laquelle je devrais pouvoir ressusciter votre mari. Est-ce que la mon cher Béchamel, que pensez-vous de la nécromancie? Oh, il faut aider cette demoiselle en détresse.
Oui, évidemment. C'est, je suis persuadé que personne n'y verra le moins mal. Peut-être qu'elle nous aimera un petit peu plus après. C'est ça m'a l'air d'être une idée foireuse, mon cher Béchamel. Je suis sûr que c'est une bonne idée. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer, mon prince. Oui. Allez, et puis bon, vous êtes là pour la protéger, si jamais. Écoutez, on va dire qu'on va essayer. Je ne garantis pas le résultat. Hein. toutes les œuvres de la culture populaire nous ont appris que la nécromancie ne se finissait jamais bien. Regardez cette baguette qui vibre d'une couleur malsaine. Voilà. Ah, la baguette veut être utilisée, c'est probablement une bonne nouvelle. Il faut pointer la baguette vers le cercueil, mon prince. Très bien. Écoutez, on n'a pas l'avis du chat, hein, là, ça ne marche pas. Non, mais tout le chat va dire de le faire de toute façon. Ah si, ça marche. Vous avez. Ah bah si. Les gens qui ont rechargé, ils ont le truc, voyant. Ah pareil. Vous pouvez voter du coup. Évidemment, je pense que. Oui, voilà. Je pense que le résultat n'avait pas vraiment de. 90% veulent pointer vers la baguette. Ouais, la baguette 85, vers le cercueil. 85 chez moi. Ouais. 89 11. Allez. Expelliarmus. Ah, elle n'ose pas regarder. What's happening? Allez. Why is he still et joyeux mariage. Oh, ça a marché. Bravo mon prince, vous avez réussi. Ah, nous avons réussi. Oh là, caméra 3 sur les buissons. Je me cache derrière vous mon prince. J'ai peur. Ah, je pense que lui aussi est content. Ce brave Connor. Ah, je crois que... le mage, tu peux te pousser parce que... Qu'est-ce que tu lui as fait? Ben, il est ressuscité dans l'état où il était. Attendez. Tiens, la créature est liée à la baguette. Ça pourrait s'avérer utile. La guenade a tenu promesse. Non, décidément, rien n'est jamais... Attendez, ce n'est peut-être pas définitif. Il tombe littéralement en morceaux. Mais écoutez, ça fait plus de ça fait plus de parties à aimer. Vous pourrez laisser une partie à la maison et l'amener chez vous. Que faisons-nous, mon cher Béchamel? Bah, c'est son époux, hein, pour le meilleur et pour le pire. Oui, c'est vrai, comme on dit. Après, les vœux de mariage, ça dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Est-ce que ça rentre en compte en ce moment-là? Ah, c'est vrai que c'est compliqué. Oui, oh, je suis pas assez intelligent pour prendre cette décision. Je vais demander aux voix dans ma tête. Évidemment, le chat qui est particulièrement coquin ce soir. Écoutez, c'est votre époux, hein, vous l'avez vu. Connor! I don't even know if he's in there, but he might be. And if he is, I'll find him and bring him back. Voici la baguette. Bonne chance à tous les deux et tous mes vœux de bonheur. Je crois que Not Found n'a pas approuvé cette action. But we'll need more than luck. A bloody miracle more like it. I'll find a wizard or something. Ah, peut-être qu'avec un peu de parfum, du maquillage et un joli costume, ça devrait aller finalement. Remember. And thank you. I guess. Come on, love. Let's go. Oh, c'est beau l'amour. C'est magnifique ce qui s'est passé. Ils sont mignons, regardez-les. Ah, on peut se parler, mon prince. Regardez-les partir vers l'horizon tandis qu'il perd sa mâchoire. We gave up an eye for a zombie. Was this deal really worth it? C'était pas une bonne idée, mais c'était la vôtre, mon cher Béchamel. Il fallait bien faire quelque chose pour aider Marina. On voulait juste aider une veuve éplorée. Voilà, on va dire la une, ouais. There's no point in arguing. We can't change the deal now. J'ai tellement plus de charisme avec ma voix dans le jeu, quoi. Et ben voilà, tout est bien qui finit bien, mon prince. Bien sûr. Laissez-moi voler ce cercueil, comme ça se finira encore mieux. Non, il n'y avait rien dedans.
Une belle histoire. Que nous a enseigné cette histoire, mon cher Béchamel? Que l'amour n'a pas de frontières. Que l'amour n'a pas de limites, bien sûr. Je vais essayer d'ouvrir. Attendez. Je vais essayer de crocheter la porte également. Oh, j'ai réussi à ouvrir. C'est bon. Calmez-vous. Ah. Nous voilà de retour ici. Parfait. On a déjà tout fouillé ici, mon prince. On a déjà tout fouillé, très bien. Oui. Eh bien, je vous propose de repartir après avoir tué cette créature magique, massacré ses nains et ressuscité un zombie. Je pense que Nous avons été très, très productifs, je trouve. Je pense que nos dieux seront fiers de nous. Nous avons œuvré. Nous avons œuvré pour le bien. Si on devait faire un alignement, on serait quoi, là? Chaotique mauvais? Chaotique nul. Chaotique nul, c'est un alignement, c'est... Ouais, non, mais chaotique bon, on essaye de faire le bien. C'est vrai qu'on façon. Essaye de faire le bien, c'est juste qu'on n'y arrive pas, quoi. On a notre vision des choses, quoi. Des gens qui disent chaotique neutre. Ouais, chaotique neutre, c'est vrai. Oh, il y a un coffre. Vous l'avez vu, mon prince? Attendez, je vais chercher. J'ai vu un jonc. Oh, il y a plein de coffres. J'ai trouvé des paumes sur le jonc. Ou avec de l'or. C'est quoi chaotique neutre, en fait? Chaotique neutre, c'est... il veut pas faire le bien, il veut pas faire l'imal, il fait ce qui lui chante, point. D'accord, ouais, ça correspond, il y a quelque chose, il y a de l'idée, effectivement. Et chaotique bon, c'était quoi la différence? C'est l'égoïste par excellence, quoi. Chaotique bon, c'est quelqu'un qui veut faire le bien, mais pas forcément en écoutant les lois, pas forcément... Il a sa... c'est un peu aussi, bien, c'est un peu voilà. Nous. Ouais, c'est un peu nous, ouais. Oh oui, je pense qu'on est plus chaotique bon que chaotique neutre. Enfin, dans nos têtes, quoi. Ah, my finger. Ouh, des pommes. J'aime bien ça, les pommes. Attendez, il y a une épave là-bas, je vais aller voir. Attendez, partez pas trop loin, il y a une épave. Je vous suis. Les gens disent chaotique bon, c'est Batman. Oula, plein de bouteilles. J'ai envie de les ramasser. Ah, des outils, ça, je prends ça. Vous pensez qu'il y a quelque chose au bout ici? Je vais aller voir. Mais je pense que ça refait le tour. Non, c'est là où nous... C'est le dos. Y'a rien. On va revenir en arrière. Je vais faire une sauvegarde. Ah. Hop. Bon, je sais pas où on va, mais on y va. On va suivre le chemin sur le bord, là. Ouais, ça a l'air bien. Il y a rien du tout. On pourrait sauter en face. Est-ce que ça a un intérêt? Ah, je crois. Ouais, il y a un coffre. Bah, il y a un coffre. Je vais aller le chercher. C'est trop loin, j'y arrive pas. Tu regardes. Ah oui. On peut même aller potentiellement en face derrière. T'es où? Je suis là, toi. On peut encore aller plus loin. Par contre, les autres peuvent pas nous suivre. Bah, il faut les faire sauter, quoi. Mais déjà, on va explorer. Ah, my finger. Ah, pourquoi ça marche pas? Alors, là, je pense qu'il y a une arnaque. Ah, si, c'est bon, ça passe. Faut bien que tu te mettes au bord. Oula! Qu'est-ce qui se passe? Oula! Oh! Une guêpe des bois! Ah, quelle charmante bestiole dégueulasse! Ils ont beaucoup de points de vie! Alors attends, faut qu'on aille chercher les autres par contre. Hein. Ouais, normalement ils sont pas en combat. C'est là pour que tu puisses faire sauter le mage. Là, c'est bon. Je fais une petite sauvegarde, là. Vas-y.
Tu peux pas faire sauter le mage. Il est en combat ton mage? Il est en combat. Ah oui, parce que tu l'as pas mis en furtif. Alors, la cible est trop loin. C'est censé être Baldur, mais c'est devenu The Witcher quoi. C'est juste on se balade dans les marais et on tue les monstres quoi. Raté. Yabo Gabi. 25%. Je pense que c'est insuffisant. Non, c'est bon. Ok, fin du tour pour moi. Oh, il vous a vomi dessus, Béchamel. Mais c'est dégoûtant. Ça me rappelle les soirées à la taverne. Il y a un truc que je veux voir, c'est... J'ai plus mon bouclier, je suis en passant en deux mains en fait. Où est mon shield? Je vais apprendre les paroles de cette chanson. Je trouve plus mon shield. J'ai perdu mon shield. Tu cherches quoi, ton bouclier? Ouais, mon bouclier, où est-ce qu'il est? Quelqu'un l'a vu là? Parce que vous avez accès à la lenteur. Bouclier sur toi. Ah ben, j'ai un bouclier clouté qui donne plus de CA qui est sur la. Un bouclier en bois rafistolé, ouais, c'est les mêmes. Bah écoute, je vais la reprendre. Je vais l'équiper sur. Voilà. Non, mais tu l'as, t'en avais sur toi. Mais c'est pas grave. Ah bon? Ouais, t'as d'accord. Deux boucliers. Mais quand tu es dans l'inventaire, clique en haut sur équipement. En haut à gauche. D'accord, attends, mais là du coup, là, je vais essayer de couper au sol avec ça. Ok, on est couloir au sol. Ouf! Ah, je suis comme le vent! Il essaye de t'assommer. Ok. Oh, j'ai récupéré un heal. Ah bah oui, j'ai level up. Donc, les sorts niveau 2, on va éviter. Je n'arrive pas à sauter! Oh mon dieu! Rien à faire, j'arrive pas à sauter avec le mage. C'est où ce que je cherche? Assistance, résistance. Ah, c'est juste que je l'ai plus de disponible, c'est ça? Et si je pousse? Non. Charme personne. Permet de charmer un humanoïde. Tu veux que j'essaye de le charmer? Ah, c'est pas un humanoïde, je pense. À mon avis, c'est un monstre. Ouais, ça doit être un monstre. Alors, je vais garder mes sorts niveau 2 pour faire du heal si besoin. J'essaie de trouver un endroit où mettre le... Pourquoi je peux pas? Ici. Pour détourner l'attention. Ok. Ah, ils en invoquent d'autres. Ah, c'est à moi. Et tout de suite, la mort. Que j'arrive à tuer les petits plutôt, mais je me prends une attaque d'opportunité si je fais ça. Je vais essayer. Oh, attends, tu crois qu'on peut le pousser dans l'eau? Ah putain, mais il y a un autre gros. Quel enfer. Bah oui, il y a deux gros, ouais. Ah, j'ai 0% de chance de réussir de pousser. Alors attends. Dans la flotte? Ouais. Au pire, je pense qu'il habite sur une île, c'est qu'il doit savoir nager, quoi. Sinon, sa vie doit être chiante, quoi. Bon, je vais essayer de me faire les petits, hein. Vas-y. Ça n'a pas très bien marché. Pourquoi ça va marcher ça? Bon, c'est pas grave, on peut y aller comme ça du coup. 3 de dégâts! Ah oui. Ça va être long, Béchamel! Ça va être long! Oh, j'en ai tué un! Oh, j'ai réussi, mon prince! J'ai réussi! C'est grâce à moi! Oh, merci, mon prince! Ah, mes encouragements, bien sûr! Ah, ils en invoquent combien? Je vais tenter de tuer la guêtre. Ok, très bien. Laissez-moi réessayer. Meurs, vile créature des bois. Oh, bravo mon prince, c'était magnifique. Ah, je lui ai enlevé pas mal de vie. Alors, il y a une mobilisation. Je vais essayer, tu sais quoi,
je vais te donner des PV supplémentaires parce que t'en auras peut-être besoin. Oui, je suis pas très bien. Il y a l'autre gros qui arrive, ça va être la misère. En tout cas, il rate bien pour le moment, ça c'est bien. Et à quoi ça sert ce truc qui détourne l'attention? Est-ce que t'as l'impression qu'il y a un ennemi qui était... Oh, c'était beau ça. Putain, tu viens de leur frapper à 16. Évidemment. Ignis. Oh, bien joué. Ça aurait été mieux si ça faisait un peu plus de dégâts. Oui, mais je... ça aurait été bien si on avait fait un repos après le boss. Ah oui, c'est vrai. Oh, quoi que je... Mais normalement, t'as tes sorts avec un repos court, non, avec le mage. Je me souviens plus. J'ai plus de sorts, hein, j'ai un plus de sorts. Sort, Oh, vas-y, un point de vie, là. Ah, mais il crame, il va peut-être mourir tout seul derrière. Ok. Ils sont pas très très forts. Ils pourront jamais nous toucher. Ah non, ça j'aime pas ça. Oh oui. Oh là là. Heureusement, ils sont... Mais ils invoquent à l'infini. Oui, heureusement qu'ils ne sont que 50. Hein. S'ils étaient 100, on aurait eu du mal. Je vais essayer de tuer celui. Attends, pourquoi point de vie celui-là pas comme ça. Essayez peut-être de viser les gros. Peut-être que les petits prendront peur et disparaîtront. Ok. Viser les gros. Il faudrait tuer lui. Mais si je tape lui. Non, mais là je peux plus bouger. Ou alors. Ah, j'ai que 30% de toucher le gros. 35%. Bon, ils ont l'air d'invoquer ceux derrière. Alors est-ce que ça me fait bouger? Non. Bon, 56%, je tente. Ah oui, c'est passé. 7. Quand même pas en très très bonne position là. Allez, à moi. Laissez-moi achever d'un coup sec cette guette des bois. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Que puis-je faire de plus? Pour l'instant, on s'en sort pas mal. Hein. Oui, oui, oui. Je vais tenter de la bousculer. Tuer le... Ah, ah, maintenant, elle est au sol, vous pouvez peut-être faire quelque chose. Ah. Elle est pas vraiment au sol. Hein. C'est la prêtresse qui prend tout. Oh, oh, belle esquive! Oh non! Oh, quel dommage! Je vais l'achever d'un coup de givre! Et paf! Oh, vous l'avez bien achevé! Merci! La vie du mage va être compliquée, hein, maintenant, je vous avoue. Oh, j'ai raté. Oh, heureusement qu'ils savent pas viser. Hein. Oh non! J'ai mal, mon prince! En vrai, le combat est pas aïe difficile. Aïe 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 aïe! En vrai, j'allais dire, en vrai, le combat est pas difficile et là, paf, 20 points de dégâts! Oh, heureusement, je vais pouvoir boire une potion. Alors, ce qui aurait été bien, c'est que je tue celui que j'ai commencé derrière. Là. On va l'achever. Celui derrière, on va l'achever, t'inquiète. À 56%? Enfin, je parle vraiment du mob le plus loin, là. D'accord, parce que oui, lui, d'accord. Il invoquait, d'accord. Donc... Parce que là, je pense que je vais laisser le mage achever le mec qui est derrière moi, le ouais, gros. C'est bon, j'ai réussi. Et à part faire des attaques à 35%, là, je peux pas faire grand-chose, mais ça aurait été cool que je me désengage, en fait. Attends, je vais tenter le saut... Ok. Oh, c'est à vous, mon prince. Ok, alors.
Ouais. Attends, mais si je fais ça, si je fais pop, voilà. Le truc, c'est que si tu le tues pas, il aura le temps de rejouer. Mais... Oh, je... Magnifique démonstration de ce que vous êtes capable de faire, mon prince. Vous avez vu ce kata exceptionnel? Vous avez intimidé l'ennemi, c'est certain. Oui. Je voulais le montrer, c'était un coup de semonce. Voilà, je voulais qu'il se rende. Le tuer, Fred. Regarde l'ordre des persos. Bah oui, mais c'est ce que j'essaie de faire. Hein. Non, c'est pas ce que j'essaie de faire. Je vais l'achever. Voilà, raté. Vous croyez qu'on peut encore s'en sortir? Ah bah oui, bien sûr. Alors... Non, on va tenter de finir lui, hein. Mais ça y est, vas-y. Comme ça, au moins le mage sera safe. Moi, j'ai que 20% sur lui, quoi. J'ai que 20%. Ah, c'est chaud. Ou alors, tape sur celui qui te tourne le dos, là. Le gros qui est à côté de moi. 30%. Eux, je l'ai... Ah, 58%. Ouais. On va tenter. Oh, nice. Pas mal. Nice. Oh. Encore une. Le problème, c'est que le mage, il a plus aucun PV, en fait. Aucun sort, tu veux dire? Ouais, aucun sort, pardon. Bon, je l'ai bien déboîté, là, le... Ouais, 50%, c'est 100%. Faut qu'on finisse le gars à 4 PV. Hein. Il va rejouer hein, si tu le tues pas là. Tu veux, mais là je peux pas. Si peux en fait, je vais prendre 3 attaques d'opportunité si je sors du cac. Si tu fais un saut, c'est bon. Ah, avec un saut? Oui. Non, t'as fait un saut qui t'a fait avancer. Donc t'as raté. Nice. Ok. Ça c'était important. Et si t'as une potion, quelque chose, heal-toi là, c'est possible. Ah oui, mais je peux pas, j'ai utilisé mon action déjà. Ah, mince. Elle a des heals là. Il faut que tu... Je pense qu'il faut que tu raises la prêtresse avec le mage. Et que tu fasses pas finir ton tour. Parce que peut-être que je pourrais jouer, vu qu'il joue en même temps. Ouais, la musique elle s'est barrée. Vas-y, remarqué. Raise-moi. Attends, avec le mage? Ouais. Ouais. Comme ça je vais pouvoir jouer. Voilà. Ok, alors okay, est-ce bon. J'ai un point de vie. Ah mince, du coup. Ah, oh, si, j'ai un heal de dispo. Un seul, c'est tout. Portée 18 mètres. Qu'est-ce que je fais de son heal? Est-ce que je la heal elle ou est-ce que je te heal toi? Je te heal toi. Et ouais, peut-être. Ouais, non. Je pense que je devrais pouvoir résister au prochain. Ah, quoique, j'en sais rien. Non, je vais te healer. Attendez, je vous mets un petit peu de musique. Ok. Et... Je vais mettre sur le côté ici pour qu'elle ne sera pas en vue des autres. Ok. C'est vrai qu'il n'y a plus de musique là d'un seul coup. On veut nos Yabu Dhabi, nous. J'ai mis une musique de fond. Une petite musique sympa dans l'ambiance. Bah c'était bien. C'était bien. Raté. Nice. Raté. Oui. Non, ça c'est pas bien ça. Oh non. Bon, là, par contre, ça risque d'être la défaite. Ouais, là c'est compliqué. Je ne sais pas quoi faire. Il faut tous les tuer, mon prince. Mais il faut tuer les gros, surtout. Attends, je vais essayer de faire un... J'ai utilisé mon second souffle. Peut-être que... C'est... Avec de la chance, peut-être que genre... Non, ça ne marchera pas. Et oui, ils attaquent la prêtresse inconsciente pour l'achever. Alors, voyons.
Ah, j'ai peut-être une idée. Attends, j'ai peut-être une idée. Ah. Déjà ça. Suivi de ça. Suivi de... non. Ça, non, non, non. Ah, c'est... C'est une idée de merde, pardon, c'était une idée de merde. Aïe, mais je suis déjà au sol, il me... Et paf. Oh, le coup critique sur le mage. Ah. Tenez bon, Béchamel. Pendant qu'il est en train d'enfoncer votre tête dans le sol. Ça va bien se passer. Cet acharnement sur les cadavres. Ah, c'est à... Attendez. Vous. Il faut que vous le tuiez. Oui, je vais essayer de l'achever. Oui. Oh, bravo. Oh, maintenant c'est facile, allez-y. Mais malheureusement, je pense que ça n'a pas suffi à... Attendez. Attendez, je sais ce que je vais faire. Je sais pas ce que vous êtes en train de faire. J'ai peur, mon prince. Ah, attendez, c'est que je n'ai pas de... Je suis sur le point de mourir. Définitivement, mon prince. Et si jamais je vous jette une côte de porc au visage, vous pensez que ça va vous... Ça a le même effet qu'une potion de soin ou bien... T'as pas de popo de soin sur toi? Je vais en prendre une. J'essaye. Il faut faire lancer. Hein. Oui. Lancer. Ah, je n'ai plus d'action, malheureusement. Je vais donc boire de l'huile de basilic. J'ai toujours aimé ça. Non, peut-être une petite côte de porc grillé, là. Une petite côte de porc grillé. Bah, t'es à 34 sur 36, ça servira à rien. Voilà. Ah, j'ai mangé une petite côte de porc grillé. Alors qu'il te manquait 2 points de vie, pourquoi? Ah, ça, c'est les pourrettes de porc, c'est extrêmement bon, figurez-vous. Un bon appétit, mon prince. Merci, mon cher Béchamel. Bon appétit. Il n'y a pas d'heure pour manger une bonne côte de porc. Voilà. Par contre, alors, je pense qu'il faut que tu me restes, sinon ça risque d'être game over. Oui, je vais tenter. Je vais tenter. Hop là, un petit saut. Et laissez-moi vous aider. Aïe. Eh bien, relevez-vous, mon cher Béchamel. Oh, merci. Oh, c'est très gentil. Très bien. Oh, il a raté. Oh, il a pas raté. Mais au moins, vous avez du temps, maintenant. La prêtresse est en... Oh non. La prêtresse est encore morte. Allez. Allez, presque. Courage. Nous pouvons le faire, Béchamel. Laissez-moi vous mobiliser. Ah, mais vous êtes encore mort? Bah oui. T'as pas une popo d'AE ou je sais pas quoi que tu peux balancer dans le tas, non? Une popo d'AE? Non. Ouais, y a pas une popo. Ah, de feu, attendez, vous dites ça, mais j'ai peut-être ça. Ah. Ah, le DJ, il est en vacances, là. Ouais. Moi, je mets n'importe quoi en fond. Moi, j'ai encore l'autre fer dans la tête. Je vais tenter quelque chose. Attendez, j'ai une idée. Pareil, il faut pas que je meure définitivement. Je vais tenter de vous jeter une potion de soin au visage, d'accord? Oh, merci. Comment ça marche? Tu fais l'action lancer, il te demande de choisir un item et tu sélectionnes mon corps. Ah oui. Voilà. Allez. Paf. Oh, quel il est incroyable. Incroyable. Oh, 17 en plus. Ah oui. C'est de la médecine moderne. Oh,
Ah, mais c'était tellement efficace. Aïe. Aïe. Tenez bon, béchamel. Ah, je vais m'en sortir. Ah, je peux jouer. Allez, béchamel, sortez-nous de là. Oh, un petit île. Alors attends, on va tenter de se débarrasser. 56%, j'y crois. Oh oui, ah, un incroyable point. Nous pouvons nous en sortir, béchamel. 16 points de vie, qu'est-ce que je fais? Je vais tenter de finir celui qui est à côté de toi. Ah non, la cible est trop loin. Oh, je m'embête. Si je saute... Allez. Laissez-moi mettre une musique épique. Ah mais du coup, ça a pris ma dernière action. Ok. Bon, j'ai rien d'autre. Un raté. Je vais nous débarrasser de ce malandrin. Ah, ah j'ai presque raté. Presque, mon prince. Il est si fort. Oh, le fait qu'il n'y ait pas de musique là. À la place, je vais plutôt manger un fromage. Non, non, ça sert à rien. Mais t'es full life. C'est le match qui va falloir faire. Il est par contre. Ah, faut pas que lui, faut pas que le prochain fasse 6. Ah non, t'as 11 points de vie encore, ça va. C'est difficile de faire le DJ en même temps. Attendez. Rayon empoisonné, voyons, qu'est-ce que je peux faire? Voyons. Là, en fait, je suis sûr que je dois pouvoir. Je suis sûr que j'ai quelque chose. Voyons. Il faut que tu te heal. Quoi? Il faut que tu te heal aussi, faut que tu manges un truc. Ouais, il faut que je m'aide, je sais, mais attends, parce que je suis sûr qu'on a des. On a des merdes là qu'on a ramassées au début du jeu qui sont des trucs qui font de la E en fait. Parce qu'il peut y avoir. C'est les trucs qu'on a ramassés dans, dans le vaisseau. Ouais. On a ramassé ça dans le vaisseau au tout début du jeu, logiquement. Je sais. Ah, est-ce qu'on s'en est débarrassé? On les aurait pas gardés? Je vais regarder si tu les as. Non, j'ai l'impression qu'on les a pas. On a un feu Grégoire, ouais, on a quelque chelou, chose. Ouais, on les... Attends, si, par tour, un feu Grégoire. Ah, mais est-ce que feu Grégoire, c'est de la zone ou pas? Ouais, non, je les vois pas. Hein. Qu'est-ce qu'on en a fait? On les a vendus. Mais t'as la bombe de limon inflammable? Ah oui, mais c'est sur l'autre, c'est pas sur le bon perso, mais... Non, mais je peux le transférer, mais... Moi, je pense que le feu Grégeoire, ouais, tu peux le lancer. Hein. Feu Grégeoire, feu Grégeoire. Ah, voilà, regarde. Ok. Ah. Voilà. Oh, c'était incroyable. Ça n'a rien fait. Ah, je pense, je n'avais pas envisagé que ces créatures volent. Elles ont chaud aux pieds maintenant. Bravo. J'aurais pu m'en douter, mais en tout cas maintenant, ils ont bien chaud aux pieds, effectivement. Mais n'oubliez pas de manger un morceau. Bah, je ne peux pas. À la place, j'ai lancé un feu gris. Très bien. Très bien, très bien. Ah si, je peux. Ah, pardon. Ça... Vas-y. Ah. J'esquive tout. Ah ah! Oh, il est boueux. Oh, c'est à moi. Je vais essayer de finir celui-là. 80%. Oh oui! Il va aussi falloir finir celui qui est là-bas. 56%, on y croit. Ah. Oui! J'en ai tué deux, mon prince. Félicitations! Je mange un n'importe petit quoi. Je suis vraiment en train de faire n'importe quoi avec des musiques de fond. Oh, je vais manger. Oh non, un steak cru, ça a pas l'air bien. Une tête de cochon? Oh, je sais pas. Hein. Je vais manger une tête de cochon. Oh, petit cochon. Vous êtes vraiment couvert de boue. Voilà. C'est parfait. De toute façon, c'est moi qui vais devoir tuer celui qui est en face. Hein. Tu pourras pas le tuer à distance. Ok. Thank you.
Ok. C'est à qui là? C'est à moi? Ok, attends. Je vais aller au cac. Oh, je suis enserré par des tentacules! Oh non, mon prince! D'habitude, vous aimez bien, mais là, ça sert à rien. Ah! qu'est-ce que je peux... Peut-être que vous pourriez attaquer à distance avec votre arc. Eh bien, surprenamment, non. Ah, c'est si, pardon, je peux. Mais je rate, oh, ça n'est pas mon fort. Oui, vous n'avez plus trop l'habitude. Je vais tenter de leur lancer une côte de porc au visage. Ah non, non, je peux. Ah, c'est hommage, mon prince. Ah, voyons, voyons. Et si... Ah, putain. Ignis. Ça va mieux. Oui. N'hésite pas à bien le maintenir en vie, quitte à le faire manger. Hein. Bah, là, ça va aller, en vrai, hein, mais... Ok, il faudrait que j'arrive à tuer lui, mais c'est compliqué, 56%. Oh mince, raté, ça c'est la tristesse. Du coup, on va garder les actions qui restent pour manger un morceau. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à manger? Des pommes, des patates. Hey, mon ami, des poires. Ah, un point de vie. Ah oui. Une carotte. Un point de vie. Ah, c'était bien. J'adorais utiliser mes actions. Il le mage au prochain tour. Hein. Ouais. Ah, attends, et si je fais ça? Ah non, je peux pas, il faut que je m'approche. Trait de feu. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je leur ai fait danser la couleur, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais... Vous avez toujours été un artiste, mon prince. Je sais pas ce que je fais là depuis tout à l'heure. Ok, il le mage. Ok. Alors je veux pas te presser Fred, mais vu qu'on venait on devait finir à 17h et que j'ai Final Fantasy XIV derrière. Ah pardon, merde. Ce serait bien si on finissait ouais, ce combat. Ouais, ce serait bien si on finissait ce combat de chez moi, ouais. Ben on va continuer à spammer les boules de feu, hein. Magnifique, un de dégâts. Ah, il m'a raté. Oula, il fait des choses bizarres. Je me suis permis de mettre une musique parce que bon, là le combat dure une éternité, alors bon, je me suis dit que ça collait bien. Ok, là il faudrait que je le touche à 56%. Oh, j'en peux plus quoi. J'en peux plus. Je peux même pas aller au corps à corps des autres parce qu'il faut tuer lui derrière quoi. On va manger des trucs. Hein. Allez, donc là je passe le mal. Non, mais je peux même pas, je peux. Oh, un point de vie encore. Vas-y, je vais manger le steak cru, on va voir. Ah, je peux pas le manger quand il est cru. Ok. Un bout de fromage. Ah, 4 points de vie. Bah voilà. Fin du tour. Non, le mage, il est pas inutile. Il prend les dégâts, là. J'en peux plus. Je veux que ça s'arrête. Oh, j'ai en plus fait 0 dégâts. C'est insupportable. Bah moi, je touche pas le gars qui est derrière. Ah là là là. Allez, plus que 1000 ans. On va y arriver. Oh, ça sert tellement à rien ce qu'on fait, j'ai l'impression. Ok, hommage. Glacius. Oh, 6. Ah mais là, incroyable. Là ton mage il était énervé là.
C'est que j'en réinvoquais des sorts pas. Qui font un des 6, quoi, c'est horrible. Je me bats avec des sorts level 1. C'est vraiment un combat 12. De boules de neige, on se jette des boules de sable de Vitala. Bon, je vais bien finir par le toucher, lui. On leur fait zéro dégâts, ils nous oui font zéro dégâts. Ça y est, j'ai enfin tué le gars derrière. Oh, ça fait du bien. Vas-y, je vais prendre une popo. Plus 9. Et on va sauter là-bas. Et je peux rien faire d'autre. Ok. C'est actif. Oh putain. Mais en plus, les ennemis ils mettent 10 ans à jouer. Ouais. Par contre, le mage là c'est chaud. Enfin, le hit, je vais, ouais, je vais le soigner. Je vais le soigner. Attends. Je frappe les deux à ta droite là. Ouais. Oh là là. Tu paraissais tellement fort lors du dernier. Ouais, c'est vrai. C'est beaucoup chuté. Attends, je vais essayer de. Non, je peux t'as pas. T'as été nerf entre temps. Voilà. J'ai pas un truc, n'importe quoi que je peux leur lancer au visage, à la bouche là. Je cherche n'importe quoi. Passe ton tour, Fred. Oui, pardon, excuse-moi. Oh mince, en plus il se barre. Bon, ça c'est bien. Ok, il le mage. Ok. Du coup, est-ce que je tente de tuer lui là-bas? Ok, c'est fait. À 15, c'est pas terrible. Le correct. Vide est, space est. Nice. Allez. C'est parti. Deux. Ça va. Raté, nickel. Compteur de spectateurs fuit. Oh voilà. Baisse à vue d'œil. Ah, oh, j'en ai tué un autre. Ah. Plus que 5, 6. Restez là, bien sûr. Ah, c'est bon. Allez, j'en ai tué encore un autre. Impatient de voir la fin de ce combat, j'en suis sûr et certain. Vas-y, Funfire là. Impossible d'atteindre la destination. Ok. Non, non, mais reste là. Ah, c'est pas vrai. J'ai envie de mourir. Y a pas un sort genre instant tuer les ennemis Enfin, je regarde. Franchement, en vrai, là, je suis en train de regarder. Genre, on a cramé les parchemins. Non, non, mais là continue. Juste, faut que les tours ils aillent vite. Là, c'est bon, on a rien de spécial à faire. Faut que tu heal le mage et que tu tapes. Ok, allez, c'est parti. Mais faut que tu Non, non. Ah si, allez c'est parti. Ah voilà, ça y est. Tu vois. Enfin tu vois. Ok. Ignis. C'était bien, bravo. On va y arriver. On est bientôt à la fin là. Hop. Ah non, lui il a qu'un seul point de vie. Allez, un autre. Hop. Oh, dommage. Faire le tour par là. Et je suis à combien de points de vie? 24. Il n'y a rien que je peux faire de spécial. Si, on va faire ça. Tac. Ah, je peux pas avancer vite par là. Ok. Raté. Ah, mais là, ça va le faire là. On a presque gagné. Raté. C'est intense. Ah ouais, vraiment le pire combat du monde. C'est vraiment le pire combat qu'on ait jamais fait depuis qu'on a commencé ce jeu.
Ouais, limite ceux avec les ennemis qui nous one-shot, c'était limite. Ouais, mieux, mais Stéphane, au moins, était là vraiment. Ouais. C'est que là, on sait tous que le combat, on va gagner, quoi, tu vois, c'est. Par contre, derrière, c'est gros repos, hein. Parce qu'il faut ressusciter la prêtresse, hein. Ah, mais là, le mage, là, il a plus rien, là. Le mage, il est. Là, tu te demandes de compter jusqu'à 4, il y arrive plus. Attends, je vais. Oh non, mais il reste là. Oh bah, ça, c'était sûr, ça. C'était sûr. Bah on va continuer de tenter lui. 75%, ça passe. Allez, il lui reste 3. Le match, il va peut-être pouvoir le finir. Raté. T'as réussi? Non, t'as raté. Raté. Et là. Ah, je peux rien faire d'autre. Ah si. On va faire ça. Non. Oh, bon skill, il a disparu de là-bas. Oh, merci beaucoup pour le raid, Célina. Merci, merci. Tu arrives dans un moment épique, là, en plus. Bien sûr. Parfait. Non. Même le DJ en a eu marre. Ok. Oh, il y a un loot. Non. Ce serait bien que le mage y finisse, celui-là. Ce serait bien. Hein. Ouais, ouais, je me suis dit ça aussi, les 4 dernières fois où il a raté son sort. Allez, allez, c'est maintenant. La Vas-y. Fin du combat, c'est maintenant. Ah, oh, bien joué, quels sont magnifiques. Allez, boum. Ah, oh, bravo, oui. Mon prince. Plus que deux, Béchamel. La libération est proche. Allez. Attends, le mage, vas-y, je vais voir déjà si tu tues celui qui est derrière. Oui. Tu l'as eu? J'ai eu. Oh, plus qu'un. Bravo, mon prince. On va sortir de l'eau. Oh oui, oui. Oh oui. Incroyable. On a gagné. Je n'ai jamais été aussi heureux, Béchamel. Ils sont gardés. Quel combat incroyable, mon prince. Incroyable. Oh, la prêtresse est morte. Je n'en pouvais plus. 200 gold. Je n'en pouvais plus, mais jamais. Je voulais que ça s'arrête. Attendez, il y a peut-être des loots fabuleux. Ça a pas l'air fabuleux. Le pire, c'est que c'est un combat, il n'y avait rien. Il n'y a pas de quête liée à ça. Il y avait Oh, il y en avait peut-être après, tu sais, on est arrivé ici. Allez, dodo, béchamel. Dodo. Petite sauvegarde. Et gros dodo. Ah, un joueur ne veut pas se rendre au camp pour l'instant. Ah. Mais c'est que pas le principe quand on a quelqu'un de mort que dans le coin il puisse vous. Ah, mais non, oui, c'est vrai que c'est, j'avais oublié qu'elle était morte celle-là. Est-ce que quelqu'un a parchemin de Rez? Attendez. Je vais tenter de lui jeter un jambon t'as un au visage. De Rez, ouais, t'as un parchemin de Rez. J'ai un parchemin de Rez? Ah, ouais. je voulais tenter de lui jeter un jambon au visage. Non, ça marchera pas. Elle est vraiment morte là. C'est pas pour ça qu'un jambon au visage ça ne marcherait pas, on n'a jamais essayé. Je suis sûr que personne n'a jamais essayé de lancer un jambon sur un cadavre. Non, on n'a pas de parchemin de Rez. Moi je pense que des gens ont essayé, peut-être pas dans Baldur's, mais... Nous n'avons pas de parchemin de Rez. Si, t'en as un. Parchemin résurrection suprême, prince de Lu. Ah oui, effectivement. Par contre je comprends pas pourquoi on peut pas aller au camp, alors que le but du camp c'est d'avoir un perso qui permet de ressusciter. Enfin le... Ah, attendez. Bon, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Mon personnage sort... Attends, est-ce que j'ai un tour... Non. Mon personnage sort... Je semble bloqué dans une espèce de posture temporelle inexplicable, mon cher Béchamel. Essaye, clique droit sur ton perso. Pour annuler clique son droit casse, sur mon ça perso. Pas. Non mais t'as un casse en cours. Ah, c'est bon. Ok. Je vais réessayer. Vous pouvez y arriver, mon prince. Allez. Ressuscite, prêtresse. Oh, bravo. Magnifique. Tu vas pouvoir Magnifique. Continuer à mourir pour nous. Nous allons donc pouvoir monter un camp. Alors, est-ce que ça marche? Souhaitez-vous mettre un terme à cette journée? Oui. 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 Par pitié, oui. Oh. Je vais faire une vraie sauvegarde et on va s'arrêter là. Hein. Ah oui, 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 oui. Vraie oui, sauvegarde. Oui, oui. Tout à fait, oui. Parfait. Oh, quelle journée épique, mon prince.
Oui, nous avons. C'était incroyable. Nous avons fait un combat. C'était une... Non, c'est pas vrai. On a fait trois combats. Ouais, ouais, un combat. Donc, un combat de boss. Enfin, donc un combat contre un combat gros boss. Intéressant. Pardon, Béchamel. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Hein. Oui. Ouais, oui. Elle a besoin de travail, cette Early Access, je pense. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, bah, merci Crane, du coup. Et bah, des bisous. Moi, je vais filer sur FF14. Ça marche, bah, amuse-toi bien. Bah, on continue quand tu veux, hein, tu me diras. Ouais, peut-être ça roule, avec plaisir. Hein, peut-être tout ça. Des bisous, Crane, des bisous à ta commu. Salut, salut. Bye bye. Hop. Et bah, voilà, on va faire des bisous à tous les glos de YouTube aussi. Bon, j'espère que vous aurez quand même trouvé ça rigolo. Nous, on a passé un bon moment, juste le combat de fin qui était horrible, quoi. Mais il faudrait que je trouve des musiques qui soient pas copyrightées pour ce genre de moment, ce serait bien. Ce serait bien. Hop, allez, j'ai remis le son normalement. Des bisous les glues YouTube, à bientôt, ciao tout le monde.